Tu es des mute, chère Alita. Tu hey es des Est-ce qu'on est me voit ah. Non, on te voit. Ah, c'est bon, on me voit. Parce que là, j'ai le stream en retard et je ne me vois pas. Je et ne là, me vois là, pas. Est-ce que vous nous yeah entendez bien, les Saranzous Hello. Est-ce que vous m'entendez bien Est-ce que vous entendez bien Alita, la saucisse Est-ce qu'on m'entend Est-ce que vous entendez bien, bien drôle, Robert Parce ruse. que Yaz yes était juste là, mais elle est partie. Du coup, Coucou elle est YouTube, un petit peu impressionnée ah par vous. Pardon, excuse-moi, Alita, je ne t'écoutais pas. Oui, Yaz yes est partie et tant mieux. Est-ce est que vous nous entendez bien ou pas, les Saranzous Ça va pour vous Je bien, vous. Super, Merci bah, je suis du content. Bah Alors, ouais. oui, Chaise, du coup tu as compris tout. Alors tu as ton gros bras devant le truc. Oui, bah je... <laughs> on est tu en record et on record pas le... encore YouTube. Hein. Hein on... Non, j'expliquais qu'on n'était pas encore en train d'enregistrer la vidéo non, YouTube. Non. On est euh, le live préparatoire et on va lancer bientôt. Voilà. Tu as compris le principe qu'on a. Et oui, Myriam, vous avez compris tous les deux. Que on a désactivé toutes les commandes exprès pour ne pas être dérangé pendant le tournage. On bah jamais, oui, au-delà d'être dérangé, ce n'était pas grave d'être dérangé, mais surtout que ça ne s'entende pas sur oui, le tournage définitif. Que, oui, nous de toute façon, on n'entendait rien dans tous les cas. Oui, euh, c'est ça. Et a on n'a pas, pas les alertes, on n'a pas tout ça, ouais. mais c'est normal, on est sur un truc où on est un peu backstage, saucisson, vous voyez. Je pense que d'ailleurs, vous n'avez même pas la musique en fond. Micro-dièse. Est-ce que vous me confirmez que vous n'avez pas la musique vous en avez fond Vous n'avez pas la musique ou pas, ouais, du coup Je peux faire le clap moteur, ça tourne. Oui, action. tu pourras faire ça, chaise, ouais, bien sûr. Euh, avec plaisir, bébou est-ce que vous avez la musique Il n'y a pas de la musique. Alors, je vais essayer de vous la rajouter parce que techniquement, euh, ce n'est pas un problème. Voilà, Je, je vous le dis. Eh ben Est-ce si en ce moment, que vous que avez ça la musique que Ce n'est pas un problème, tant mieux. Ouais, vous devez avoir la musique. Est-ce que vous avez la musique en fond, tranquillou, en mode il euh, y a la musique en fond Oui, ouais, vous avez. Okay, ok, je la mets tout douce. Je vais juste vérifier que dans mes paramètres d'enregistrement, il n'y a pas. Monte un peu, d'accord Hop, j'ai monté, voilà. Juste vérifier voilà, que dans, mon, dans mes paramètres d'enregistrement, euh, je n'ai pas tout ça. Voilà, tout simplement. Ouais. <laughs> Sortie, enregistrement, euh, piste audio 1 et 2. J'enregistre. OK. Je et du coup, coup. j'espère que vous allez bien. En <laughs> tout cas, euh, chaise, le clair, mi. Je crois que c'est tout. Non, on ne va pas bien du tout. Ah, d'accord. Bah non, ça ne marche, ça marche pas. pas non plus. Non, 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 on a tous activés, bien sûr. Toutes les tous désactivés. La musique est en piste 2. T'imagines en plein tournage chaise. Et les micros sont en piste 1. Qu'est-ce qu'il y a, Qu'est-ce <laughs> qu'il qu y a, Myria qu qu y a Après, comme mis, par hasard, ouais. On peut faire les, ouais, les trucs... Genre, euh... Oui, on peut faire, t'as raison, on peut les toi. imiter. Pourquoi on pourrait pas faire <laughs> Est-ce que vous entendez toujours Est-ce que tout va bien pour vous es... Est-ce que le son est bon pour vous J'ai juste testé un truc. Par contre, la musique ne marche pas. Ah, parce que c'est la fin de la musique. Attendez, je passe de musique voilà, non, vous avez la musique en fond, vous avez nos voix. Vous N'hésitez pas à nous dire, ouais, c'est trop fort, pas assez fort, tout ça, tout ça, quoi. Allô Allô Oui, quoi, allô Allô On nous entend pas Allô Non, mais en vrai Pourquoi, allô je... On n'entend plus. plus ah Vraiment Oui, oui, je pense. Oui, bah elle dirait pas. C'est bien que c'est technique, là. Euh, sortie. Il n'y a que la musique. Alors, attends. Ah, oui, lumière, c'est chaud, mais il m'entend pas. Attends, attends, attends. Attends, on t'entend pas, bébé. Est-ce que c'est bon, vous nous entendez J'ai voulu commencer à faire mes cartons. Il ne faut pas oublier que je pars dans une semaine, sauf que j'ai pas... Ah, c'est bon, ok. Donc ça a coupé bien, il y avait plus de son. Ok, merci beaucoup. Il faut pas oublier que je pars dans une semaine, sauf que j'ai même pas fini de préparer le premier carton. J'ai déjà fait de continuer. Ah bah ben, super. Un... Si je puis me permettre, tu t'es un petit peu dans la merde. Des merdes, justement. Je teste de lancer un enregistrement des Saranzus en local parce que. Euh... Alors le first, bravo, Umiria. Non, tu as débloqué le chaise. succès. <laughs> J'ai pas mangé la crampe, allez. Je crois que c'est Chaise qui a fait le first. Alors non, c'est Umiria. Ah, c'est okay, 100% Humiria. Uh, du coup. Euh, là, l'enregistrement est en cours. Euh, est-ce que c'est bon pour vous J'arrête l'enregistrement. Est-ce que ça vous a fait quelque chose au niveau du live Non, c'est moi qui ai fait. Non, c'est faux. Est-ce que ça vous a fait quelque chose au niveau du live Est-ce que ça vous a posé problème Est-ce que vous avez des crampes touilles Ou est-ce que c'est bon Je laisse lire Alita parce que je n'ai plus le chat. Ils ont dit non. Ok. Parce que en fait, on va vous expliquer. Euh... Sarah n'est vraiment un gros con. Oh non, mais arrêtez. Alors, pas cool. Ça, c'est pas vrai. Par contre, je n'y crois pas. <laughs> non. Je vais juste écouter un truc. Je teste de lancer un enregistrement de Saran 12 <laughs> en local. des fesses. Ah. Ça, c'est vraiment écrit, ça. Super. <laughs> je ne dénoncerai pas. Édition, préférence, matériel audio. Saran le con. Oh Mais bah, arrêtez Ah, merde, il entend. Bah, en fait, je répète tout. Sorti par défaut. Haut-parleur. Sound Blaster. Ok, ok. Un enregistrement de parce que alors le first, bravo Emilia. tu as débloqué le succès. Oh merci tichot. Donc il n'y a pas d'alerte, c'est normal tichot, parce que du coup comme on est en tournage. Bon bah ça a l'air de marcher. Il y a par contre il y a les petits cœurs et ça c'est mignon. Alors ça c'est mignon voilà. alors c'est On vous explique. En fait j'ai pas la flemme de faire le carton enfin si, mais c'est surtout que je dois descendre à la voiture chercher le scotch. Ah bah oui mais il y a trop dur la vie. Coucou Leclerc. On n'entend pas Saran. Ah. ah! On entend Saran. On entend Saran. Ah, bah oui, tant mieux, oui. Merci Tissot pour ton resub <laughs> tier 3, bébou. Écoute-moi bien, les de merde. Moi, Donc, je oui, euh, je vous explique le truc un peu, les Saranzous bébés. Je vais te noter trois tours de roue, Tissot. On ne va pas les faire aujourd'hui, évidemment. Ce n'est pas le jour pour du tout. Mais je les note. Euh, mais si tu en entendais que tu avais mis le stream. Non, c'était pas le stream que j'avais mis, j'ai J'écoutais l'enregistrement. C'est surtout ça. Ah, c'est ça que tu disais. J'écoutais l'enregistrement pour voir si tout était bon et qu'on n'entendait pas la musique, surtout. Euh, et j'ai pas pu entendre du coup parce que j'ai fait de la merde. Alors attendez, je vais réécouter mais fort, mais je ne peux pas faire fort, ça m'énerve. Deux secondes. Vous allez en entendre. Mais mais je, pas pas le je teste de lancer un enregistrement la Sarrazoues en local. Ça... Ah bon, attendez, je vais faire écouter au casque, c'est pas grave. Attends, je vais écouter. J'ai coupé la musique, vous inquiétez pas. Parce que. Euh... Alors, j'arrive pas à couper la musique. Tais-toi la musique, voilà. Je teste de lancer un enregistrement de ça. Sa... Le first, euh, bravo. Je crois que c'est Chase qui a fait le first. Alors non. C'est bon du coup, euh, c'est parfait. Je voulais vérifier. Vous n'avez effectivement pas la musique sur l'enregistrement. C'est parfait. Moi, je vous la mets en fond. C'est bien. Donc oui, ce que je, ce que je voulais dire, Alita, excuse-moi, parce que je te coupe, je fais des trucs dans tous les sens. <laughs> Mais c'est qu'en gros, techniquement, pourquoi on veut enregistrer, euh, pourquoi on veut qu'il n'y ait pas le son, et pourquoi on va lancer un enregistrement euh, sur OBS Parce qu'en fait. Vous comprenez bien que là, ce qui est en train de filmer Alita pour la vidéo, c'est la caméra qui est devant, que vous voyez à l'image. Vous voyez une caméra, qui est la caméra qui filme la vidéo. La vidéo va pas être filmée comme ça, évidemment. Là, vous êtes sur un plan un peu backstage, où vous voyez les lumières sur les côtés, euh, la caméra qui est en train de filmer, tout ça, tout ça. Mais ce plan backstage, où il y a le chat, hein, parce que vous voyez le chat actuellement, et puis les murs des mottes, ce plan-là, on va aussi l'enregistrer. Parce que pendant la vidéo, on va peut-être l'intégrer à des moments, en disant, on est aussi en live sur Twitch, et bim on vous montre, vous, et vous pourrez dire bonjour avec le chat, vous voyez ce que je veux dire Il n'y aura pas de son, vous ne pouvez pas agir et faire de son, mais vous avez quand même le chat et les émotes qui pourront à des moments être visibles. Et on va enregistrer tout le live, voilà, en même temps, pour pouvoir le diffuser. En même temps, le truc, vous avez compris, oh c'est compliqué Oh là là, la dinguerie <laughs> hey. Et moi, j'ai préparé mes petites notes, putain, c'est bien Et on va bientôt pouvoir lancer l'enregistrement, tout ça. Voilà, ouais. coucou YouTube, c'est kick, <laughs> exactement ah, Vous ne direz pas des dingueries, sinon je vais devoir flouter toute une partie du texte, la, les boules, en fait, un peu les boules de la team. Donc moi j'ai préparé mon texte. On est bon. On a deux pistes son, on a tout ça. Et en fait, ce qu'on voulait vous expliquer peut-être au niveau du, du, euh, du plan, c'est que euh, en gros ce que vous voyez vous, peut-être, tu vois, leur expliquer. Là vous voyez normalement l'iPad. Avec le, oui, ils le voit, je suis con. Sur l'iPad, là on a le chat. Voilà tout simplement. On a le chat, donc on vous lit. Il euh, y a des moments où je pense qu'on va faire, c'est qu'on va être très euh, mais en fait ça va être sympa on n'a jamais fait ça en fait de tourner des mmh. vidéos en live mais en fait il mmh. y a des moments où on va être focus sur la vidéo ouais. pendant des petites des petites sessions quoi de de trois minutes où on va euh, mmh. recorder une partie et après on vous lit oui vous il y a des moments où on va un peu vous oublier mais revenir vers vous tout ça tout ça quoi ça ce que vous essayez de nous déconcentrer ça sera marrant ouais. <laughs> en lançant des dingueries genre enculé déjà la joué à chaise qui a écrit n word caca voilà des trucs comme ça caca caca des murs de caca par exemple ça pourrait peut-être ouais. nous déconcentrer euh, ensuite pour vous expliquer un peu euh, là il y a les ah, lumières qui nous éclairent de chaque côté, vous en avez une ici, là, vous voyez là, et une ici. Ce sont des lumières qui nous éclairent. <laughs> Merci. Ah bon non, mais c'est les lumières. <laughs> et en fait, vous, vous êtes ici, vous avez une caméra derrière notre caméra euh, qui nous filme. Et euh, ici, vous le voyez un peu, c'est l'écran de retour de notre caméra. D'accord Nous, on, on se regardera des fois un peu là, c'est pour voir la mise au point. Là, on voit que si on fait ça, nous, la passer. mise au point est sur le bras. Vous ne voyez pas cette caméra, mmh. mais on voit un peu le plan. Nous, on voit le plan définitif de la vidéo. Voilà. voilà. Avec des rimes. Vous allez faire un truc des rimes, des trucs de, de merde, là. On fera pas. On fera pas, hein, bien sûr, évidemment. Déjà que Oula, ça. Par fait... contre, la casquette, elle s'est cassée la gueule. C'est toi qui as posé des trucs dessus, là. Ça va pas ou quoi Poser un wow. truc lourd comme ça. T'es folle, en fait, on va tous mourir. Okay. Donc voilà, euh, j'espère que vous allez bien. Coucouine. Salut, j'aime ah. les cookies, comment tu vas euh, Et donc, j'encourage je, 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 les gens du chat, quand ils voient que les gens font des commandes et qu'ils comprennent pas, à leur expliquer. Voilà. Oui, on compte euh, sur les modos, genre Les modos ou chaises. Ou chaises parce qu'elle est là. Ouais, bah, puis parce qu'elle est. Euh... Elle est. Euh, ah oui, Comme une Community artiste, artiste committee, je ne sais pas ce qu'elle est. Il qu faudrait qu'on trouve un terme, là. Les gens qui, mmh. qui aident là, voilà. Tichot, est bah là. Voilà, on ouais. te laisse expliquer, du coup, chaise ou Tichot. Ouais, tu peux faire un message pré préfet, copier-coller à chaque ouais. fois, ça peut être marrant. En vrai, vous Mais en gros, on va quand même de... expliquer au fur et à mesure, mais en gros, j'aime les cookies, on est sur un tournage de vidéo YouTube, là. Donc, en fait, on a besoin d'avoir euh, pas de son euh, dans le truc, parce qu'on enregistre ce que vous voyez là, en plus de la vidéo YouTube. Ouais, épinglé, voilà, très, très, très bonne idée. C'est pas Lemuria. faux, ça, Lemuria. Mais qui fait le message Bah, Tichot ou chaise et vous épinglez. Fais une commande. Hey. On est en tournage YouTube. Pas de commande. Ah, j'ai rien compris. <laughs> euh, tu veux que je fasse un message Je vais faire un message, vous inquiétez. Pas. <laughs> bon, okay. Je vais faire un message. Je vais dire. On est en tournage YouTube, donc pas de commande. Nous sommes Épinglés. en ah. tournage. <laughs> non, mais elle l'a fait là. Ah oui Regarde. On est en tournage YouTube, donc pas de commande.exclamation. Très bien. C'est très bien. Merci. Parfait. Hop, message épinglé, voilà, super, merci. Il y a une dinguerie qui se passe, c'est que dès que Sarah s'en va, Yaz vient me voir. et dès Tu t'en va, vas, tu t'en vas. Elle parce est que... accro à sa maman. Mais oui, aujourd mais aujourd'hui, elle veut être avec toi, sauf oui. que le problème, c'est qu'on va tourner, elle va être là. Oui. On a eu l'habitude, ça fait très longtemps qu'on n'a pas tourné de vidéo YouTube. Coucou Papa, Dyson. Coucou, Papa Dyson. Ça fait très longtemps, et en oui. fait, le truc, c'est que euh, on avait l'habitude, quand on commençait une vidéo YouTube, à ce que euh, Yaz aille dans sa litière. Ça, c'était le principe à chaque fois. Mm. On commençait une vidéo YouTube, on entendait. J'res, j'res, j'res. Ouais. fallait attendre, on avait fait l'intro, ça Mais rendait stressé fou. pour nous, c'est tout. Ouais, je pense pas. Merci, euh, j'aime les cookies Fais mon augmentation, ah, merde. Ah. Merde, 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 fais ton augmentation, merde, merde, merde. merde. On va lui donner. Euh... Pourquoi s'allumer ça Moi, je propose qu'on lui demande, on lui donne un. Pourquoi ils sont allumés les Immaternité. Un... Oui. Pourquoi ils sont allumés les Ils sont branchés peut-être dans le studio. Non, normalement ils sont branchés quand on allume le home cinéma et dit j'allume les prises là-bas et les deux prises, ah. c'est là l'autre prise. Normalement eux ils sont censés être éteints. Ah oui. bon, c'est pas grave. Les, nos haut-parleurs de home cinéma qui sont à l'arrière de notre canapé, ils sont dans le studio, c'est pour ça. Bon, euh, ok. Est-ce euh, qu'on est, qu est bon, en vrai Oui, Elle je donne pense. Elle te des hein. sous ou pas J'aime les cookies. Je pense, Bravo je pense. Bravo, Papa Dyson, Merci pour Cette euh, visionnage. Ah, c'est sympa, ta grand-mère, là. Il y a quelqu'un qui est en train d'enregistrer, apparemment. Enregistrer C'était moi. Bah. <laughs> J'ai dû faire sans fin exprès, j'étais en train d'enregistrer sur, sur mon son. Sur un en train mon son, j'ai dû cliquer sans faire exprès. Ah, d'accord. Faut faire gaffe. Ouais. Le clair, 7 consécutives, incroyable. Ah, oh, pareil. Pas mal, en vrai. Oui, hein. elle donne des sous, bah voilà, c'est bon. Ah, les sous-sous, c'est bien. Bon, euh, est-ce qu'on va pas pouvoir commencer un peu et se remettre dedans Ouais. Un petit peu. Donc, contre, moi, je, suis, je teste ma vidéo. Alors, t'étais pas au point. Alors, je sais pas pourquoi. Hein Bah, si, Là, je non. suis toute verte. Mais tu l'étais pas au moment où tu t'es levé. Alors, c'est bizarre, hein, ça juste... fait un peu. Ah, ouais, je sais pas non plus. C'est parce que je me suis trop levé. De toute façon, on a l'habitude de beaucoup bon. regarder le retour là-haut, nous, pour mmh. notre mise au point. C'est important, la mise au point sur ces caméras-là, parce qu'il y a tellement de bokeh et de, de flou d'arrière-plan, si vous voulez, que dès qu'on n'est plus au point, c'est atroce, c'est pas rattrapable. Et en fait, heureusement que le retour est au-dessus, ça fait moins « je regarde la caméra ». Bon, on est pas Moteur !»« <laughs> euh, Moteur demandé », très bien. Eh bien, écoutez, on a 2h13 de record, ma chère Alita. Est-ce que tu sais à peu près comment tu te sens Tu te sens bien Tu es prête pour une vidéo YouTube Alors, ce qu'on fait toujours avant une vidéo YouTube, pour peut-être qu'on monte quand même au Saranzouz, oui. c'est peut-être important qu'on montre comment on commence avant pour se mettre dans le bain. Parce que ça, c'est vrai qu'on ne vous l'a jamais montré. C'est important de vous l'expliquer. On fait notre rituel Vas-y. Ah, bah. ah, ah Ah T'as les t'as les j'ai fait pipi, j'ai oui, fait oui, pipi, oui, oui. pipi, test de son, ah ça va pas. Mais ah, pourquoi tu veux faire croire qu'on fait ça alors que d'habitude on, on, on se baise. baise à max, tu mens cul. Ah Waouh. Pardon. J'ai fait des petites notes les amis, c'est incroyable. Coucou Justine. Ah la lumière est à 96. Hello Justine Oui, il est à 96. En fait, il était à 95, c'est ça, il y a quelques jours, et il a dit euh, il ne peut pas partager, partager, partager. Mais pourquoi tu ne peux pas partager Vous pouvez faire non, 7. Non, on ne peut que quand c'est des. Bah, pourquoi 7 Ils peuvent bah, 7, c'est une semaine. Un corbeau Trop bien setup, merci hein. Oui, trop bien, n'est-ce pas Donc, moi, j'ai fait des notes sur le constructeur. Ok, automobile. Euh, et vous allez le comprendre dans la vidéo Alita, elle ne connaît ni la figurine. Et connaît ni trop le constructeur. Et nous, on va partir sur notre côté un peu truc, truc, bidule. Et justement, là où vous allez être utile, c'est si jamais vous avez des questions. Mm -hmm. Vous les préparez au moment où on va revenir vers vous après des voilà. petites sessions de 1 ou 2 minutes. Et ça se trouve, vous allez alimenter euh, Une le truc. viens <laughs> de pipi. Non, je pense que la figure elle peut faire pipi. C'est de 5 en 5, on monte, c'est ça Oui, voilà. c'est après, après 10, quoi. Euh, après 10, c'est 5 en 5. Ah, okay. Ça n'a aucun sens. C'est un bien. peu bizarre, ouais. Alors, euh, je vais... Ce qu'on va faire, tu sais quoi, vu que là, ça, là on a plus de temps d'enregistrement sur oui. les micros, va je vais va lancer, lancer les micros ouais. et on va vérifier. Je vais te dire là-bas s'ils rec tous les deux. Ok. Je vais Il te dire quand est-ce que tu lances. Ouais. Ouais. Faut que tu ça, peux je lancer. Dis... Je lance Oui. Lance. Ok, ça enregistre des deux côtés. <laughs> je vais lancer l'enregistrement sur OBS. Ça enregistre sur OBS. Moteur demandé un hein, chaise est, elle est censée faire. Hein. J'ai une question justement avant que je l'oublie. Il, il y a du word demain car au cas où il y a une mise à jour à faire. Je ne sais pas. Peut-être. Sûrement. Merci. Sûrement. Moteur demandé. Moteur demandé c'est fait Par juste par chaise Par chaise. OK. Ça tourne au son, ça tourne au son, ça tourne euh, sur OBS et ça tourne à l'image. Le poil s'éteint à ce moment-là, c'est parfait. Magnifique. Magnifique. Ah oui, on est beau. Oh la vache. T'es pas Attends. au point, toi. Voilà. Ah, si, je suis au point. Regarde. Là non. Ah si. Ah oui, là c'est bon. Mes dents sont vertes. Mes <laughs> dents sont vertes. Nous, on a un plan. Les gens, c'est vert, c'est une Il que je vous montre <laughs> Ah oui. <laughs> J'ai une tête de con. Attends, je vais chercher mon téléphone. C'est tu sais pourquoi je vais chercher mon téléphone Parce, que, Parce que, es... que je vais couper le son. T'as coupé le ouais. son, toi le son. Je me suis pas bien. mis en mode du tout euh, coupe son. Coupe, coupe, coupe pas. Euh, couteau vert. Mais on va peut-être faire des plans d'insert. Vu ah, qu'on oui. a un bon téléphone maintenant, peut-être euh, tourner des trucs. Motor demandé. Euh, faut que je vous fasse une photo pour vous montrer parce qu'il y en a qui connaissent pas, ils sont un peu bêtes. Ça tourne et tout. Ouais, ça tourne là en fait, hein, partout. Oui, ça tourne. Oh, c'est nickel. C'est des backstage. De non, temps, mais c'est ce des backstage la ouais. team. Oh, J'ai un con, putain gros, c'est une dinguerie. <laughs> Vidéo YouTube, scène 1, prise 1. Oh la tête qu'on a, c'est une dinguerie. Attends, je vais la partager sur Discord, c'est trop bien. Euh, partager on pourrait même la partager après euh, sur internet quand on, on sera moins moche et méchant ah, voilà c'est partagé les amis vous pourrez voir ça sur discord euh, tu me laisseras faire le clap ok mm. on est sur quel jour 3 mars 3 mars dimanche 3 mars dimanche 3 mars tournage vidéo YouTube figurine Twitter Ed Harley Quinn Twitter c'est X non <laughs> X Ed pas mal il était Absolument pas sonore mon clap, mais je pense qu'elle va le faire. Il était bien. Euh, Est-ce que tu es, tu es chaude? Clap pour la promo? Ouais, ouais, moi je suis chaude. De... Pour la non. promo? Ah non, la promo, la, la, la photo. photo. Oh, J'ai du mal. Je vais quand même aller chercher du scotch. Oh non, mis <laughs> Mimiria, on tourne là. <laughs> commence bien. Mise au point. Marche. Marche. Parfait. Est-ce que tu es prête, ma chérie? Ouais. Comme d'habitude, ça va être à moi de commencer, c'est ça? Est-ce ouais. que tu te sens pas à l'aise? Pas du tout. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube, le retour des deux clou clou <laughs> sur la chaîne AES. Voilà, action exactement. Euh, oui, on est, on est. Ah oui, non, on est tout vert. En fait, c'est là où c'est au point, c'est vert. Ça nous permet nous, de nous savoir où c'est ouais, au point. Soit on est en train de tourner la vidéo, soit on est en train de parler au chat. Mais pas les deux. Oui. Pourquoi ouais. Alita dit ça Parce qu'on est tout simplement en tournage YouTube, mais sur Twitch en live, histoire de voir un peu les backstage. Voici un plan, d'ailleurs, euh, backstage actuellement, vous voyez un petit peu. Dites bonjour, le oui, chat, bonjour. bonjour à YouTube, bon Dieu Mettez des emotes La communauté des SR Ranzous, qui rencontre la communauté des AES. Ouais, qu'on des... jamais une nom, finalement. Merci de dire bonjour, en tout cas, ça fait plaisir. Ah, merci, ah. bonjour YouTube, merci Justine, incroyable ça et d'ailleurs, on n'a pas forcément les mêmes communautés sur YouTube et sur Twitch. Donc, c'est cool. Ouais. Vous, vous allez être contents sur YouTube de nous retrouver, en fait. Ça fait je ne sais combien euh, de mois, d'années De, de siècles, peut-être. Siècle. On n'a pas fait de vidéo. Ouais. On sait. On sait. C'est compliqué. On n'a pas forcément ni l'info... Pardon. On n'a pas forcément ni... On n'a pas forcément le temps, ni l'envie. Oui. Ni, oui. ni euh, les sujets. Ni le sujet, exactement. Et euh, on a un sujet fort aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre. Vous l'avez vu... La miniature, sur la, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu sur la miniature, c'est tout simplement une nouvelle figurine qui rejoint la collection des grosses figurines, un quart, les immenses figurines que vous avez déjà vues il y a très longtemps sur la chaîne. Je pense qu'il y aura une playlist, elle n'est pas encore créée, en tout cas je ferai une playlist spéciale pour les figurines, comme ça vous retrouverez toutes les figurines qu'on a déjà, oui. toutes les vidéos qu'on a pu tourner. Oui. Je suis en prête Oui. Catwoman, Batwoman. Supergirl. Ouais, Let's ça. go. Et aujourd'hui... Ah. <laughs> c'est bien, non C'est bien, c'est fluide. Attends. Catwoman, Sancho, saucisson... <laughs> <laughs> c'est pas ça. <laughs> oui, c'est <laughs> mignon, hein, Justine. Attends. Catwoman, pipicon <laughs> clardienne... Vieille. Ah non. Catwoman, Jean-Marc... Sima... Catwoman, Sylvester Stallone... Une figurine aussi de Harley Quinn. et non, ça, c'est aujourd'hui. Une figurine de coin le fruit. Catwoman, Batwoman, Boba Fett. Supergirl. Oui, Boba Fett, tu as raison. Supergirl. Et Supergirl. Et j'en oubliais des vertes et des pas mûres. Une vidéo avec le A de A.E.S. Une vidéo avec Alès sur la figurine géante. Taille Oui, je crois. ou pas Ou un demi Je sais plus, mais deux gros goûts. Baby Yoda. Exactement, qui était trop cool. Oui, qui a été tournée ici, d'ailleurs. Exactement. Salut Julie Witchy, comment tu vas Hello Julie Défi, de parler de Marvel un moment. On nous dit dans le chat de parler de Marvel un moment, c'est un défi qu'on nous a posé. La meilleure moyen de faire ce défi sans passer pour des gros nuls, c'est de dire On nous a dit dans le chat de faire un défi en disant euh, parler de Marvel, c'est ce qu'on est en train de faire absolument en ce moment. Et d'ailleurs, c'est un défi qu'on nous a donné dans le chat. On nous dit en ce moment dans le chat de parler de Marvel, c'est un défi. Du coup, le moyen le plus simple de le faire, c'est de parler du chat. Ouais. Voilà, c'est bon, chat, c'est bon pour toi C'est bon pour moi. <laughs> Coucou, Berben Oh, salut Birdman, comment tu vas Birdman, c'est le nouveau compte de Senncrad. Ah oui, c'est ton pseudo sur euh, Discord. Ah bon Oui, oui. c'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Pourquoi il a... Ok. J'ai pris des petites notes. Pourquoi Parce oui. que euh, c'est un peu particulier ce qui se passe avec cette figurine. C'est que Harley Quinn, vous le comprenez, c'est une figurine importante pour Alita. Tout à fait, parce que je m'appelle Alita Quinn. Pas du tout. Arlita Arlita. Ah, c'est moche <laughs> Euh... Non, parce que je suis fan d'Harley Marley... non, non, Quinn, évidemment. Ah, c'est juste pour ça, tu passes ouais. les couilles, on va pas faire D'accord. Euh, <laughs> c'est ton personnage préféré et euh, voilà, euh, oui. c'était person... super compliqué pour toi de euh, trouver une figurine qui te convient, oui. qui représente une Harley Quinn en particulier, oui. un film, une série, animée, un comics, on ne sait plus, oui. un jeu vidéo, Arcane, oui. on ne sait pas. C'est compliqué. Dans tous les cas, je ne voulais pas de Margot Robbie. Oui. Alors que... Bon, on ça déplaise va. à certains. Oui, bon. Mais bon. Hein. Moi, je... Non, je non. Pas fait. Aïe, aïe, aïe. c'est dommage, c'est dommage. Bon, on va ah. voir. Mais bon, <laughs> l'histoire de cette figurine qui est juste à côté de nous, c'est que c'est moi qui l'ai choisie oui. sans que tu ne saches, sans que tu ne la vois, sans que tu décides. Et j'ai peur. Parce qu'elle a dit pas de Margot Robbie. Aïe, 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 aïe. Après, tout dépend de l'esthétique, hein. Mais bon. C'est qui Margot Robbie C'est un plat italien. On dit dans le ch... euh, chaise nous dit dans le chat que tu préfères Lady Gaga c'est vrai donc c'est une figurine de Lady Gaga non pitié non non plus d'accord euh, donc j'ai eu la lourde donc j'ai eu la donc, j'ai eu, lourd... ouais. eu le lourd choix finalement de choisir une figurine. Je dis le lourd choix, tu ne me l'as pas imposé en fait. Non. À aucun moment, tu as dit tiens, ce serait bien qu'on prenne une figurine Harley Quinn, c'est pas ça. C'est que j'en ai vu une que je connaissais pas. Je dis oh, vrai pre... ah, c'est vrai qu'on fait les personnages féminins d'ici en un quart, elle est belle, ça peut être cool. Parce que même à la base, on était plutôt parti sur une figurine de Superman. Oui, oui. C'est de ça on... Oui. dont on a discuté à la oui. base. Oui. Et finalement, je ne sais pas, tu as dit non. C'est pas ça. C'est que t'ai ah. dit est-ce qu'on peut partir sur Superman, sachant qu'on avait dit que dans notre collection, on se concentrait sur les figurines euh, féminines, sur les personnages d'ici féminins. Mm. Et, euh, et tu m'as dit ah ouais, si c'est mieux féminin. Ouais. Bah en fait, c'est pour aller avec mon tatouage que vous n'avez pas vu du coup sur YouTube, <laughs> parce que je... voilà. Mais il faut être sur Twitch. J'ai motivé une quenelle. Hein. <rire> oui. <rire> à ça. boire. À boire. Merde. A... Le seul truc qu'on a mis, c'est à oui. boire Et on a rien pris. Putain. On on va on va cut à hein, euh, pas mal le début parce que ouais. on parle trop comme d'hab hein, alors chaque fois le, le, le YouTube on fait ça on parle de ouf genre beaucoup beaucoup et à la fin la vidéo elle fait ça c'est genre <laughs> parce qu'on garde que le bref le max le minimum mmh. ça bablote ouais ça bablote. après vaut mieux en avoir trop que pas assez moi j'ai bu mais toi t'as besoin ah, je vais tu boire, poseras à côté C'est le principe en même temps, c'est vrai. Mais alors, c'est le principe en même temps, oui. Mais on parle quand même trop. C'est-à-dire que j'ai beaucoup à côté, j'ai du mal à côté parce que je dis ouais. ah ouais, les infos là sont bien. Mmh. On synthétise pas. C'est moi qui déroge souvent. C'est vrai que c'est toi qui déroge, c'est moi qui monte. Alors, on, on y va. Ouais. Euh, tu ne connaissais pas la figurine, tu ne connais pas non plus le fabricant de la figurine. Tu vas voir, c'est assez particulier. J'ai son histoire juste ici parce que je me suis dit que c'était bien en plus de te la présenter, en plus que tu la découvres en live et que tu sois contente, j'espère, parce que Margot Robbie, elle est belle quand même. C'est que tu en apprennes plus sur la marque Twitterhead, vous l'avez vu dans le titre. Le titre de cette. Le... Oui, c'est bon. Parce que, là, on fait... parce que là, on part sur autre chose que Sideshow et Hot Toys. Oui. Et c'est particulier, parce qu'on a toujours collectionné que ces deux marques-là. Oui. <laughs> ah, bah, vraiment. Ouais, allez, oui. J'ai pas de cutter. Pardon Je m'en vais prendre un cutter. Dis ce que tu penses que c'est comme figurine ou quoi. Ah. Euh, Je pense que c'est une figurine de Harley Quinn. Oui. Euh... Voilà. Non, je sais pas. Oh, attends, bah là je fais voilà. trop de bruit du coup. Moi, j'ai attendu, mais madame me fait pipi. Hein J'ai fait pipi. Le prince hip Je suis Rola, est-ce que ça recorde toujours Oui, tout va bien. Il ne reste que une heure du coup. Non, tout va bien, c'est juste que je regarde en combien de temps ça peut... Je sais plus si ça coupe en morceaux, je sais plus. Non, pas en fait, celle-là, coupe... je crois. C'était euh, le Non, C'est ouais. ah, possible, je ne sais plus. Et je ne sais plus non plus en vrai. Euh, on a l'habitude des fois aussi de recommencer, mais est-ce qu'on recommence ou est-ce que c'est bon pour toi C'est bon, bon, bon pour toi On est okay. en mode chill On est en mode chill. Ok. Euh, je vais juste reprendre sur le truc. Donc je vais te parler du fabricant... Donc je vais te parler du fabricant... Waouh Donc je vais te parler du fabri... Donc je vais te parler du fabricant, Donc, parler du fabricant qui a un nom bizarre. Effectivement, Xhead en fait. Hein. Ouais, c'est un peu bizarre. Plus, hein. Euh, mais juste avant, j'aimerais bien quand même avoir un peu ton ressenti. C'est bizarre ton ressenti, mais si tes, tes appréhensions ou juste savoir, est-ce que tu penses que je vais aller quelque, est-ce que tu penses que je suis allée quelque part avec ce choix de figurine, est-ce que tu penses que j'ai fait un choix particulier Qu'est-ce que tu penses que c'est bah, je je pense que tu as choisi en fonction de ce qu'on a déjà pour aller un petit peu peut-être dans le style, ouais. euh, notamment parce que nos figurines font plutôt, on va dire, cartoon. Enfin, je ne sais pas si on peut le dire comme Comics ça, Comics, plus, plus que, que film. Voilà. Euh, oui, c'est ouais. ça que réaliste vraiment, ouais, okay. euh, justement. C'est pour ça que je suis sûre que c'est pas Margot Robbie parce que. C'est basé sur une personne réelle et on est d'accord tous les deux que c'est un peu bizarre d'avoir une personne réelle chez soi. J'ai toujours eu du mal avec ça, en mais en même temps quand tu vois chez Sideshow les bustes taille réelle bah de je sais pas, Ben Affleck ou de Kristen Bell en Batman, ouais, c'est trop classe, mais tu en mode... J'ai la tête de Kristen oui, Bell chez ça. moi, taille réelle, je crache tellement, ça me dérange. <laughs> c'est bizarre. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Donc voilà, dans cet effet un peu, euh, oui, donc euh, comics vraiment, dessin, euh, et, euh, et un peu dans un environnement, je pense, euh, stylisé, quoi, pour que la figurine soit euh, bah, belle, bah sympa, regardez, je ne sais pas. Si c'est Margot Robbie, elle sera moche pour toi Ouais. Putain Margot Romy, est... t'es moche! On nous dit Ariana Carton, ça me fait rire. Oui, bon, bah, ça sera pareil. <laughs> elle dit que si elle dit ça, une figurine de Michael Jackson. Alors, on n'a pas de figurine de Michael Jackson? Non. Vraiment, en fait? Hein. Non, j'ai une, bah, une espèce de poupée, mais, Michael oui. Jackson. Mais, mais figurine, une, non. figurine, non. Ça Show est sortie de Michael Jackson. Oui, tout à fait. Qui est sublime. Mais ouais. c'est toujours bizarre aussi d'avoir Michael, quoi. On Chez est... toi, t'es en mode. En un carré Géante, comme ça, qui fait. Euh... Je crois que c'est une de Smooth Criminal. Oui, il est penché. Smooth Criminal, hein. tout à fait. Oh, okay. mm. Euh, avant, avant de vous parler de l'entreprise qui a fabriqué cette. Euh, avant de vous parler de. Euh, la, la, euh, avant de vous parler de la marque Twitterhead, je vais peut-être vous montrer le carton pour que vous vous rendiez compte encore une fois ce que c'est que d'avoir un carton de figurine un quart. Parce que c'est immense Et d'ailleurs, sachez qu'on vous fera un petit plan peut-être. Oui, je vais vous faire un insert là, en ce moment, pendant que je vous parle. Euh, regardez, on a réorganisé euh, les figurines. C'est pas mal. Mmh. On a de la place. Et comme vous le constatez, on a encore une place. Et comme vous, et comme vous pouvez le constater, et comme vous pouvez le constater, on a encore deux places pour deux nouvelles figurines. Pipi, caca, mixtape. Je mange mon cul, tu manges mon caca. C'est le crâne qui dit que MJ, c'est de la fiction. C'est le personnage. Certains me diront, c'est un personnage. C'est pas faux. Alors, attention le carton, je suis hors champ, mais comme on a des nouveaux micros, on nous entend. C'est lourd. Regardez, ça fait ma taille. Refait. Regardez, ça fait ma taille. Alors oui, parce que là c'est au sol. Non, c'est faux. <laughs> c'est faux. Regardez ça. Par contre, ça pèse une tonne cinq. Il y a le poids là-dessus là parce que j'ai envie de manger mon cheval. Euh, 9 kilos. Non, non, attendez, ils disent neuf kilos. Non, douze kilos. Putain, douze kilos. Pour ça j'en chie. Ok, alors, du coup, Twitter Head. Ce qui ne veut rien dire. Hein, la tête de tweet. C'est un peu un oiseau. Donc euh, oiseau sur euh, chapeau. Mm -hmm. C'est pas trop, mais c'est mignon. Euh, item numéro. <laughs> Euh, Harley Quinn, un quart, régulard. Il, il existait aussi une version. Comment on appelle ça Premium. Non. non. Exclusive. Lim, limité Exclusive Exclusive, ouais. Un quart, Harley Quinn, régulard, parce qu'il existait une version exclusive, ce n'est pas le cas ici. Un quart, c'est la taille. Un quart de taille réelle. Donc, Harley Quinn, c'est si un m 60 Vous divisez par 2, ça fait 80. Vous divisez par 2, ça fait 40. Vous comprenez Personnage de 40 cm de haut. Et sachez d'ailleurs que je le dirai plus tard. Euh, non, je le dirai plus tard. Euh, une pièce, parce que dedans il n'y a qu'une seule figurine. Ah! Euh, oui. Made in China, ça. pourquoi? Parce que c'est des Chinois. Et euh, ici, on a le numéro, donc il, y en a 5, donc il y en a 500 exemplaires et on a le 169. Ouh! Mmh. Bizarre! Mmh. Mmh. Par rapport au cul, par exemple. Mmh. <laughs> voilà, on est débiles en vidéo quand même, hein, ça c'est quelque chose. Hein. Yeah. Yeah. On est débarrassé de ce carton énorme et je vais te parler de l'entreprise. Oui. Les CRZ sont à fond en hein. 69. Hein. C'est vrai? Ah, vous aimez ça, hein? Allez! X69. Tellement pas d'idée mmh. qu'il appelle X, exactement. The Carton. Alors, c'est hyper intéressant, tu vas être contente. Je ne le savais pas, mais je me suis renseigné sur l'entreprise Twittered Parce que Twittered, on la retrouve parce qu'elle est vendue sur le site de Sideshow. Je vais t'expliquer pourquoi. Mmh. Et c'est un euh, fabricant plutôt cool, pas à grande échelle. Et tu vas voir, c'est cool. Ah, tu, tu vas voir! Donc mes, petites, donc, mes petites notes sont là. Twitterhead, c'est une entreprise qui a été fondée en 2012. Donc, ça commence un peu à faire. Hein. C'est oui, une oui. vieille boîte qui fabrique de voilà. figurines. C'est américain. D'accord. Voilà. Ah, d'accord, Justine. Merci. Ok, <laughs> euh, Ils ont travaillé avec Side Show. Euh, non, 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 non. Voilà. Ils ont commencé avec des maquettes, tout simplement, à assembler. Tu vois des trucs pas peints Oui, je comme vois. Comme Jean-Pierre Jean-Pierre. <laughs> Non mais des trucs qu'il fallait peindre soi-même oui, et comme euh... les Warhammer, les trucs oui c'est ça. ça exactement ouais. donc ils ont commencé là-dedans donc dans le PVC euh, ils se sont vite euh, fait euh, ils se sont vite fait repérer par Sideshow, si bien que je crois deux ans après ou un peu dès le début ils se sont fait, ils se sont fait distri si si euh, merde. Ils se, ils se sont vite fait repérer par Sideshow, ce qui fait que vers le début, ou euh, deux ans après, je n'ai pas trop compris, mais en tout cas, ils se sont fait distribuer par Sideshow. Donc c'est cool. Une grosse marque comme Sideshow, qui est un gros vendeur de figurines mmh. qui vend du Prime One, du Hot Toys et leur propre marque, mmh. bah, ils se sont mis à vendre du Twitter Donc c'est que la marque a été repérée. Ça c'est cool. Euh, la, la première licence qu'ils ont obtenue, est-ce que tu peux deviner ce que c'est parce que tu sais bien que les fabricants de figurines, au début, ils font oui. bah, des dragons, des trucs comme ça. Ouais. Et puis après, ils chopent une licence. Ouais. Ça, si tu arrives à trouver, tu gagnes un BN. Bah DC, du coup Non. Ah, raté. Star Wars Non. Hum. Ils n'ont pas Star Wars, toujours pas aujourd'hui. Disney Non, bah, non ils n'ont pas Wars. Disney, toujours Disney. pas aujourd'hui. Bon. Euh, Funko Quoi euh, Quoi <laughs> Non. Marvel Non. Alors, euh. cherche pas une licence, cherche pas un, cherche pas une licence, cherche pas une marque, cherche un personnage. Ah, ben bah ça, tu vas pas trouver, mais peut-être que tu vas trouver pourquoi Parce que, en tant que fan de Funko et des fabricants américains de jouets et de figurines, c'est un personnage ah. qui revient souvent. Genre, euh, euh, le truc de restaurant, là Refais ta phrase, on hein, <laughs> <laughs> Ah, genre, le truc de restaurant, là Le bonhomme. Tu veux sais comment bonhomme. il s'appelle Ah, Ronald McDonald, pas du tout. Non Mais de quoi tu parles, le, le truc de restaurant Tranquille truc... Vincent <laughs> Non. Le truc rouge et... en rouge et blanc, là. C'est Jeanne-Masse, Tu dis n'importe quoi. Non, mais... En fait, c'est pour faire n'importe quoi. Non, c'est pas une figurine Jeanne-Masse. On retrouvera et on mettra l'image de ce que je veux dire. Mais je pense que c'est pas ça, sinon, ça pas ça. Il <laughs> ouais. y a Justine dans le chat qui nous dit Alien. Non, c'est pas bête, mais non. Ça aurait ah, pu. Oui. C'est finalement un personnage d'un film. Mais ah, non. Genre comme Freddy ou un truc comme ça. Oui. Pense un peu dans l'univers de Freddy, un peu horrifique. Ch Chucky. Non, pas Chucky. Personnage féminin pourtant. Ah. Très célèbre aux états unis surtout un peu plus euh, style années 60-70. Ah. Je suis sûr que tu connais. Euh... Quoi Si tu l'as pas... Euh... Euh... Vous l'avez le chat ou pas Ils l'ont pas dans le chat apparemment. Godzilla, Les Simpsons, oui, les fameux Les Simpsons, Volboy, non. The, The Ring, Ring non. non. Euh... Betty Boop Ah, pas con, mais non. Si je te dis cheveux noirs. Betty Boop <laughs> Si je te dis petite robe. B <laughs> si je te dis grosse tête et corps très <laughs> <B> <laughs> non pas du tout. Si je te dis maîtresse des ténèbres, elle l'a pas. Est ah que... Elle vira Elle vira Oh putain Mais oui parce que je regarde RuPaul Drag Race et du coup elle a déjà été juge dans RuPaul Drag Race. Elvira, voilà. bien sûr. Ça, genre par exemple, on va couper parce qu'on s'en bat les couilles. Non, on s'en bat pas les couilles, okay. c'est intéressant, t'as raison. Elvira, donc qui est une pin-up horrifique, la princesse des ténèbres, ou la maîtresse des ténèbres, c'est ça Ouais, la maîtresse des ténèbres avec des gros seins, <laughs> euh, qui est un personnage pop culture américain un peu connu, fait, oui. voilà, dans l'univers dans un Alors, peu gore et tout. Tu as dit 60-70, je crois que tu l'as beaucoup vieillie. Ah ouais Ah non, c'est plus 80-90. Ok, hein. bah autant pour moi, bon. je suis un connard. C'est pas grave. J'ai pas la ref. Bah, tu regarderas, mais voilà. Jouer par ça, chagrin. Non. Quoi Hein Peut-être Si c'est vrai, c'est fou, mais j'ai pas la ref. Euh... Et donc, du coup, euh... qu'est-ce que je voulais dire donc, et, et... Ah oui, mais si Attends, je suis un connard. C'est pas la famille Adams. Non. <laughs> pu... Mais ça ressemble, oui, c'est vrai. vrai. Je comprends pourquoi <coughs> tu penses à ça. Je... En vrai, que... je comprends pourquoi elle pense à ça. Euh... Une icône, tout à fait. Une icône, ouais, voilà. C'est Nimote, la meuf. Non. Ouais, oui, une icône, c'est ça. Et, et, et donc, vous le voyez à l'image, et moi, je te le montre euh, sur le téléphone. Voici la première figurine ouais. qu'ils ont sortie euh, sous licence. Trop Donc, bête. une figurine d'Elvira. Je J'ai pas la taille, je ne sais pas quelle taille c'est. On vous le mettra mmh. à l'écran si c'est indiqué, mais c'est plutôt sympa. Trop beau. Voilà. Ouais, j'aime beaucoup. Je vous le montre le chat, je ne sais pas si vous voyez. Vous ne voyez pas hein. Je pense qu'ils ne vont rien voir. Ouais. Non, ils vont rien voir, c'est tout petit. Vous Voyez pas, je suis désolé. Mais bon. Euh... Bah, si ils disent, oh, ils font style. Et donc sachez que, et donc sachez que aujourd'hui encore, alors pas celle-ci, mais ils fabriquent une Elvira en ce moment. Tu vois ils vendent okay. une Elvira en ce moment parce qu'ils oui, continuent est à leur, le faire euh... parce que bah, c'est un peu leur première leur figurine. De fabrique, Exactement. Ouais. Euh, ils continuent d'ailleurs aujourd'hui à faire des figurines euh, maison. Je vais te montrer euh, un exemple, c'est-à-dire des figurines qui ne sont pas sous licence. Par exemple, on a euh, cette petite sirène qui fait un peu Disney, mais qui n'est pas sous licence. J'aime pas trop. Elle aime pas trop. Ça s'appelle euh, Ni. Elle s'appelle Nimu. Et je crois que c'est un personnage qui vient euh, de la... des folklores ou un truc comme ça. D'accord. Tu vois, okay. genre, euh, c'est un peu cool, quoi. Ils font comme les dragons ou voilà, des trucs comme ça. Ok. Euh... Alors, quand, quand je t'ai parlé d'Elvira, tu m'as dit un truc genre, ouais, euh, Drag Race, RuPaul, tout ça et tout. Oui. Sache que est... ils sont connus, euh, Twitterhead, pour être aussi. Pour, euh... Sache que Twitterhead, ils sont connus pour avoir eu très vite la licence RuPaul Drag Race. C'est quand même fou ça. Du coup tu m'as pris une Harley Quinn Drag Race. J'ai pas pris une Harley Quinn Drag Race, mais, ah. regarde, euh, mais regarde la figurine qu'ils ont fait par exemple pour la New York Comic Con. C'est RuPaul Bah Pardon. ouais. Ah. Vous Il ah. rien. Est-ce que vous voyez Je veux les refs. Tu vas sur le site de Twitterhead, tu vas voir. Où tu... Et, et, sache qu'il y a une figurine de RuPaul, par exemple, sur le site de RuPaul, référencé, de chez TwitterAid. Donc, bien. ils ont eu le partenariat avec RuPaul Drag Race, donc des statues de RuPaul, délimitées, avec des, des couleurs, tout ça, tout ça. Trop vous belle. voyez pas, désolé, hein. je suis désolé. Et, 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 et c'est eux aussi qui s'occupent des euh, trophées commémoratifs qui sont distribués pour les participantes. Comme tu ça, vois Mais oui Et en fait, c'est eux, TwitterAid, donc c'est cool. J'aime trop. Est-ce que vous voyez un petit peu on ne voit pas, vous ne voyez pas. Hein. Je suis désolé, c'est compliqué de vous montrer. Là, c'est plein de trophées. C'est une crédibilité. C'est une crédibilité. C'est C'est une C'est C'est RuPaul en Harley Quinn. Bah, ouais, bah, ah. bah, tu peux que que le ouais, ouais, Je pense qu'on peut le garder. Okay. Mais tu peux le faire refaire. Du coup, c'est RuPaul en Harley Quinn. Non, mais ça aurait été bien. Non, fait, non, oui. mais bon, tu vas voir. Mais en fait, tu as vu qu'ils savaient bien faire le visage de RuPaul. Oui. Ils savaient bien faire des personnages réels. Bon, c'est un peu des figurines kitsch, un peu, tu vois, ces trucs-là et tout. Mais ça veut dire que Margot Robbie vont savoir bien la faire ah. sans que ce soit cringe. Non, mais... Pitié, non. Mais... Non. Euh... Ce qui est qu qu intéressant, en plus, à savoir sur la boîte, c'est que ben c'est depuis 2021 qu'ils sont en équipe. Euh, quand je dis équipe, ils sont cinq. Sur leur site, ils montrent les cinq personnes qui sont dans la boîte, plus un sixième membre, c'est le chat. C'est oh. leur petit truc. Mais euh, avant 2021, ils étaient euh, tout seuls et ou en duo. C'est une toute petite boîte, tu vois, toute ah oui, petite vraiment. boîte américaine qui faisait okay. vraiment de... Petit Tirage de figurines. tu vois la RuPaul, 50 exemplaires, du vraiment du ah petit oui, tirage, oui, oui. et euh, depuis euh, pas si longtemps que ça, et, et, et ça, je, 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 je sais pas l'info, donc euh, et, et en plus, donc de RuPaul et leur truc à eux, ils ont deux licences, donc Elvira, oui, aussi bien sûr, mais ils ont les maîtres de l'univers, <laughs> grosse licence aux États-Unis, donc c'est très euh, ouais. pop culture américaine, et DC Comics, et ça, ils ont fait le bon choix, et voilà, et donc, du coup, c'est des fabricants qui fabriquent. Peu De trucs avec peu de licences, oui. mais qui ont, qui ont du coup un catalogue de 20 figurines, peut-être ouais, à tout casser, de tout confondu, oui. c'est cool. Un peu comme Sideshow en soi, parce que Sideshow ah. n'a pas beaucoup de licences non plus. Ils fait. ont quand même Marvel, ils ont Star Wars, ils ont Disney, ils ont Disney. Donc, du coup, déjà avec tous ces trucs-là, tu as beaucoup de figurines possibles. Oui, mais ils et ils ont sortent... sorti beaucoup de DC. Oui, c'est vrai. Bah, mais ils n'en hein. sortent pas tant que ça tous les ans. Tu as raison. Des... Oui, ils travaillent beaucoup. Il euh... faut que le sculpteur, bah, déjà, est ça. il est... Voilà, est bien sûr. Voilà. Euh, et Marvel, Alors, pas eux, mais voilà. Euh, je vais te montrer d'ailleurs... Je t'ai d'ailleurs préparé euh, deux autres photos... J'ai préparé d'ailleurs deux autres photos... Ah oui, non, mais attends. Voilà. Par exemple... Euh, je vais faire comme ça plutôt. Regarde par exemple le maître de l'univers qu'ils font. Tu vois. C'est pas mal, hein. Tu vois, ils font des trucs un peu un peu beaux gosses, quoi. Ouais. Oui. C'est pas notre style, beaucoup, mais bon c'est beau gosse. Mais c'est beau ouais. gosse, Et du coup, ça c'est bon pour le billage. Et, pour te, et, pour te, et je vais te montrer aussi et vous montrer deux images euh, de ce qu'ils font chez DC. Et tu vas voir si t'aimes le style. Et du coup, c'est pas la Harley Quinn, évidemment, mais tu vas voir si t'aimes le style. Ouh là là. Là, t'as un Green Lantern. Oh Donc, tu vois, on est plutôt comics. Ouais, carrément. J'aime beaucoup. Il est beau. Et là, ah t'as ouais. une Poison Ivy. Attends, mais genre, comment ça on n'entend oh. pas. Et là, t'as une Poison Ivy. Ah oui C'est stylé. C'est pas mal, hein J'aime trop ses jambes. Et donc on est sur des personnages de comics donc normalement tu vas être contente. Ah j'espère. Oui, hein. oui. Allez voir sur le site hein, si vous voulez voir vous les, les trucs quoi. Mais vous allez voir la figurine quoi. Des filles dire le mot alambiqué. Hein, vraiment. Dans les filles, dans les mètres de l'univers il y a Shira. ne sais pas qui c'est Shira Je ne sais pas qui c'est Shira non plus. Je connais euh, Tom. Non c'était pas Tom. Tom, Tom. Tom et Jerry. Shina. Chi Tom et Shina. Ok. Là. Mmh. Euh, je vais voir si ça enregistre. Ouais. Tom et and... Shina. Vous connaissez ça ou pas Ça enregistre toujours. Ouais, On elle est, est 22... incroyable la Poison Ivy. Je, je vais couper je vais relancer. Oui. Ouais. Ces jambes-là, là, les jambes musclées. Ah, pardon, vous êtes là oui. Je vais couper je vais relancer. Yes. Il n'y a plus que 20% de batterie. Oula. Ah oui, là, la... faut que je change la batterie. On va se mettre sur le secteur à la fin. Hein. Bah ouais. On refait pas de coupe sur les micros, si ça te va. Ouais, pas de soucis. Je vais refaire une... un, un clap. Ouais, mm. après... Le sexe marron est tout doux. Moi, j'aime pas trop les genoux. Ok. As que tu es semblant de le faire. Ah, rip la batterie, non mais ça. Non, c'est pas grave. On en a trois. Sinon, je le branche au secteur. À la fin, ça me fait chier. Hein. <laughs> là, je vais en mettre une okay. à charger pendant que donc, je donc, branle mon cul. Non, non. Parce que ça charge. Charge, s'il te plaît. Oui, c'est bon. Fais la mise au point. Voilà. Donc là, c'est bon. On a la batterie qui est revenue. La mise au point, elle est bonne. Je relance le record. D'ailleurs, faut... on pensera à faire la miniature à la fin. Tu as raison. Vous nous ferez penser à le chat. La miniature, on oublie souvent de la faire. Ouais, moi je suis chaude. Je veux voir la suite. Non ah, moi je suis chaude, je veux voir la suite. Le sexe Allez, ah, rippez la batterie. Pourquoi Qu que ça dit sur la batterie Ah non, non, la batterie. Mais... Sur ça, pas. la batterie, là. Chaises, c'est nul. Ah oui. Euh, deuxième partie d'enregistrement. La figurine d'Harley Quinn que nous allons déballer est sortie en 2022, en début 2022. Ooh. Sache que c'est assez intéressant, c'est un des rares fabricants à faire ça. Elle existe en un quart, comme ici, et en un sixième aussi. Ah, en oui. plus petit, pour moins cher évidemment, mm -hmm. et euh, avec le même moule. C'est-à-dire, ah. euh, c'est la même figurine, mais en plus petit. D'accord. Bon, voilà. Moins de détails, plus, plus, plus de pipi finalement. Ouais. de <laughs> ah. yes. ouais, C'est bon, bah, le reste, c'est qu'on aura la figurine. Est-ce que tu. Es... Ta gueule, gaz. Yes. Est-ce que t'es prête pour déballer cette figurine oui. Je me déplace. Tu as une gaufre pas, pays. Je fais ça. Je, fais caca Je me fais chier, chier, tu Je mange mon cul. Ouh. Omg, c'est un peu lourd, un peu comme mes grosses couilles. Petit coup de cutter. Ouais. Est-ce que t'as hâte de voir le carton Ouais. J'ai peur que sur le carton, elle voit à quoi ressemble la figurine, mais c'est jamais, jamais pareil. C'est jamais pareil. Ok, c'est l'heure du, 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 du duel. Oh, j'ai vu quelque chose. C'est marqué quoi coucou? C'est écrit cacou cacou. Ah, t'imagines? La mise au point, c'est bon ou pas? Ouais, c'est sur le carton ouais. surtout. Ah, comment je vais sortir ça, gros? Bah, va falloir que tu retournes, non? Attends, le sur carton, il a pris un petit truc là. Non, euh, je peux la tenir comme ça et toi, tu enlèves je... le carton. Ouais. Attention, opération pipi estragon. C'est comme l'opération Espadon, mais en dragon. Vas-y, enlève le carton. Enlève le carton. j'essaie, j'essaie. Je enlève sais. le carton. J'en supplie, je vais mourir. Ah ah, tu veux que ou pas Nos cours de Pilate nous ont bien servi. Attends. Voilà. <laughs> Ta gueule. OMG, c'est marqué Harley Queen. On voit pas. On voit pas. On voit un peu, mais pas trop. Oh, faut pas que tu regardes le dos. Oh. Regarde pas le dos. Attends c'est beau. Non mais attends. Nique ta mère. Euh, attends, je vais enlever le plastique, ça va faire plein de bruit, donc faut qu'on mange un cul. 3, 2, 1, tu un. manges un cul T'as vu, vu le petit pet là Ah oui, merde. C'est pas grave. c'est un peu chiant. c'est à cause de connard de l'ivoire de merde. Culé. sûr qu'il a été viré. Non, je rigole. Regardez à tel point c'est Side Show qui... Euh, pro Regardez à tel point c'est Side qui distribue ça. En bas on a Twitterhead de marquer. Avec la petite bande blanche, comme il y a ces sideshow. Tu vois oui, Les cartons comme ça, avec marqué sideshow en bas. C'est pareil. Mmh. Sur le côté ici, vous avez un magnifique logo, bah Harley Quinn, le classique le losange. De ce côté-là, vous avez. Ne regarde pas ne regarde pas la face du carton. La même chose de l'autre côté, avec un marteau. <laughs> et est-ce que tu veux voir la face quand on voit un peu la figurine Ou est-ce que tu veux pas Au pire, <laughs> il la voit eux et pas toi. Mmh, tu sais pas. Vas-y. De quoi, vas-y bah, vas Je vois pas. Tu vois pas. Je vois tu vois pas. ou tu vois pas. Je vois pas. Si tu vois, tant mieux. Ok, tu vois pas. Je vois pas. Tu vois là Non. Tu vois pas Je vois. Est-ce que là, tu, je vois vois <laughs> tu vois un peu Tu vois un peu. Est-ce que tu regardes le retour Non. Ok, je vais vous montrer. Giga gug giga J'ai fait la miniature. Ah oui, t'as fait la miniature en vrai. Faut pas que je regarde le retour du live. Ah oui, c'est vous... bon. Attends, le retour du live, c'est quoi c'est bon Ok, parfait. Ah, elle est moche. Joke. Oh non Pourquoi vous dites qu'elle est moche dans le chat Elle est SRZ, là. Je me permets de déballer, ça te va, hein Bah oui. T'aimes bien quand je déballe, parce ouais. que toi, t'as peur. Non, et t'aimes bon. bien quand je t'emballe ah. Ok, ok. On a la même chose que ces Aïtcho. On a un police -tirène. Mais non Eh ouais, c'est un police, mais avec Irène. Qui là. Salut, c'est Irène, j'aime la police. Comment on va faire Ah, je vais prendre par les poignets Et euh, toi, tu me prends par les giga-tacos. Ok. Attends. Ah, Attends, on est parti de travers. Moment. Tiens bien le carton ah ouais. sans. Le... Voilà, merci. Je vais poster ça là deux secondes. Je vais enlever ça. Attends, je vais faire un joli truc pour la vidéo immature. <laughs> c'est c'est tout blanc. Ah, c'est tout blanc, ouais. c'est cramé comme un cul. Attends, je vais la mettre là. Du coup, normalement, ça va se voir un peu à la cam. Je vais mettre ça là. Et nous avons reçu du coup le poisson que nous avons commandé en polystyrène. C'est le poisson frais. Donc, c'est tout simplement des aiguillettes de dorade. Mariné au gingembre. Arrête, ça me donne envie. Ah bah non, du gingembre. Du gingembre et de poisson. Bah voilà. Foutu. Euh, comment on va faire Parce qu'il faut que je fasse un coup de truc et. Ah, on va se la mettre là. Dans le cul Moi, je vais me foutre dans le cul. Où Il y a un truc marqué top. Ah oui, top. <laughs> oh putain de merde Ça pèse une tonne 5, J'arrive envie de me chier dessus. Et on vous fait vous comme croise. ça Ouais. Ah, la mise au point, elle est partie là. Ouais. Faut que tu te mettes plus au milieu. T'es parti, c'est pour ça. Ouais, <laughs> reste bien vers là, quitte à pousser dessus, hein, parce que moi, j'ai ouais. la place. Ok. C'est bon la mise bon, au point ouais. Ok. On va laisser ça là. On va foutre un coup de cutter. On va ouvrir comme ça. Ou est-ce que tu veux que je fasse hors caméra et que non. je ramène les pièces au fur et à mesure Ah. Qu'est-ce que tu préfères Tu dis Non au pire tu enlèves et je regarde ici quoi. Tu vas regarder là les moulinets ici, les moulinos Soit tu regardes ici, soit les moulinos Non mais ça va faire trop de retour Mais euh... je mets ça là au pire. Ok mais ça là. Alors. Mais non mais comme tu veux. Si ouais, tu Vas-y vas-y. Dire... Vas T'es sûr ou pas Ouais ouais ouais. On l'a jamais fait ça de faire en suspense. Et non plus en sus. et non plus j'ai dit en plus. N'importe quoi. J'ai une meucher dessus Voilà, j'ai cassé, j'ai tout cassé. Est-ce que vous voyez mon cul en live N'hésitez pas à le dire avec le hashtag je vois ton cul, sarane. On le voit bien en vrai Bah oui Oh le cul de Saran. Oh merde, bâton en Oh vrai. oui N'hésitez pas à clipper mon cul et à l'envoyer sur cul. tous vos vos cul, et une marque de toilette ça Hashtag, je vois ton cul. Hashtag, je vois le cul de Sarah. <laughs> »« Hashtag Ah putain, mes notes <laughs> Est-ce que ça va, Aïta Ouais, ça va et toi. Ça se passe bien. Ouais. ouais. T'avais qu peur que les Sarandou soient les enculés. De non, quoi ils sont très excités, je crois. Ah bon, ils en habitent Hashtag, hashtag. Ça record, c'est bon. Euh, on a combien de minutes 5 heures de vision, de record. C'est faux. <laughs> je, suis... je suis hors caméra, mais je vais ouvrir comme ça et regarder ce qui se passe. Okay. ok, tout s'est cassé en mille morceaux. Non! Et... Oh putain, ils se sont trompés, c'est une figurine de Chi Hulk! Oh non! Ouais, hop, la blague est faite, maintenant on fait semblant. Tu sais, on, a... on rigole comme en vidéo, mais en fait, en vrai, on est hyper nul et on s'aime pas. Du coup, là, c'est bon, on reprend un truc normal. Putain, c'est de la merde ça! Putain! La bonne humeur fausse là. J'arrive pas à l'ouvrir, meuf. Ah, c'est bon. Faut demander à la mère de chaise à les poissonner. Attention. Oh putain! Oh putain, il y a pas de casse. Faut pas que tu regardes Alita. OK, je regarde Faut pas, pas. que tu regardes parce qu'on voit tout. On voit tout. Elle est à poil. Elle est à poil. Non, mais la par mille. contre, c'est trop beau gros sa mère. C'est énorme. Alors, attendez. Attendez. J'arrive à m'installer, je suis essoufflé. Je me suis chié dessus. C'est pour ça l'odeur. Ah oui, d'accord. Je me suis chié dessus. Alors, ah, commence pas à faire ça quand c'est c'est yaz. Non. Ah, c'est tu... pour te donner de l'air. Ah, tu disais que je pleuais la mort. Ah non Oh j'ai peur. Ok, les amis, c'est énorme. Comme d'habitude, il est un quart. Moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu te dis oui, c'est grand, et tu as le truc dans. C'est encore plus grand que dans tes rêves, c'est ça. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai une arme, j'ai deux têtes, j'ai un corps et j'ai. Des jambes. Des bah, pieds. le corps, il est avec les jambes. Un socle. J'ai un socle. Ok, donc tout va bien. Tu veux quoi Bah le socle. <laughs> Quel mauvais choix. Bah bien sûr. <laughs> Alors, attendez. Imagine je t'aurais demandé. Larme. La tête. Ou la tête. Oui. Oh. Alors, je vais faire du bruit deux secondes. Oh, comment c'est beau par contre, sa mère Je vais me chier dessus là. Oh c'est lourd par contre, c'est beau et lourd. Un, Un peu, peu comme, comme mes couilles. Ma... Ouais. Ah ouais t'as dit de ma bite c'est ça Attends je fais du bruit. Ok. Attends je fais du bruit deux secondes. Hop, ferme les yeux. Je ferme les yeux. Ferme les yeux c'est Noël. Bouge pas, ferme les yeux, ferme les yeux c'est pas fini. Ferme les yeux. Aïe, ferme les yeux. Voilà, tu vas ouvrir les yeux. Ah, oh pardon, j'ai crié un petit peu. Alors Ah, oh, il y a tellement de trucs. Oh, le bruit. Oh, c'est lourd Soulève. Quoi <laughs> Elle est vraiment trop lourde. Eh, eh ben, heureusement qu'on a mis double étagère dans le <laughs> parce que là. Elle est vraiment extrêmement est lourde par rapport aux autres cailloux. Elle est beaucoup plus lourde. Hein. C'est de la résine pleine, mais c'est bizarre. Je pense c'est de la résine pleine. Normalement ils font de la résine creuse parce que bah ouais, pour pour pas poids, que ça f... pour pas que ça fende. Ah. Mais c'est bizarre quand ça sèche. Mais what the fuck. Alors il y a beaucoup de choses. Y tu a veux commencer par les détails, par le dessous, c'est toi qui décides. Alors j'ai déjà dire que le dessous, ça a l'air d'être euh, des planches genre du bois un peu. Ouais, t'as vu, il y a même, tu sais quoi, on dirait un, un plancher. Un plancher, parce que, Un vrai, parce que t'as vu, ouais. t'as genre le plafond, le plancher et l'entre-deux. Oui. Tu vois, il y a un côté un peu ouais, coupe de maison. C'est ça, c'est très réaliste. Bon, euh, c'est pas fait en bois, hein, bien sûr, vous avez ah compris. Ah bon Genre <laughs> C'est de l'imitation bois, mais c'est un bois très très sombre. Un ouais. verdâtre, euh, voilà. Un vieux bois, quoi. Un vieux bois, ouais. <laughs> un vieux bois. Un vieux bois. On a après derrière, vous le voyez pas trop là, mais on Attends, va le tourner. Oui, c'est juste qu'on a besoin de beaucoup de force. Ouais. Voilà. D'ailleurs, c'est le dos ça pour moi, à mon avis. Moi aussi. Moi, la f... euh... Oui, je connais la figurine, c'est le oui. dos, je le valide. Donc, vous avez des sacs en fait de, de jute oh. remplis de billets. Non, mais par contre, on en parle, dollars. sans déconner, je ne veux pas surjouer et tout ça. Hein, mais, mais La, la qualité. De ouais, la, ouais, la jute. La jute, c'est impressionnant. On dirait comme quand tu jutes. jute On dirait vraiment de la toile de jute, ouais. on dirait des bah, les sacs à patates en fait. Bah, oui. C'est impressionnant. C'est magnifique. Les billets, ils ont même des détails, genre on peut même lire presque c'est des billets de euh, bah des dollars dollar. en fait. Regardez, c'est des billets de 100 dollars, je te de le dis ouais. on voit Et les 100 dollars. Et à quel point c'est détaillé C'est trop truc beau. De toute en façon, fait, on va faire des plans rapprochés, j'imagine. Ouais, je vais le faire après je pense. Ouais, Vous les aurez en insert, je pense pendant la vidéo. C'est ça. Donc ouais, des billets de 100 du coup de 2 de 3. Donc, ouais, des billets de sang, et c'est vraiment rempli à rabord enfin, Ouais, c'est stylé. C'est incroyable. Tu vais peut-être passer, je vais te la mettre sur le côté un peu ouais. comme ça, et puis tu vas pouvoir expliquer aux gens ce que tu vois aussi. Ouais, donc vous voyez des gros cubes là, du coup, donc ça fait J-R-M en lettres. Et je peux même te dire ce que c'est parce que j'ai cherché l'info. Euh, je pense que ça, c'est Joker. Ouais, en fait, c'est. Vas-y, non, vas-y. Joker Mommy. Non. J Joker Motherfucker. Non. Joker Moon. J'ai noté. J'ai noté, voilà, c'est ça. Vas-y. C'est Mr J. Ah, Mr J, il fallait lire dans l'autre sens. Mmh. Bah okay. oui, MRJ. Mr J, voilà. Okay. C'est sympa les trois cubes qui font euh, les fameux cubes avec des lettres là. J'aime ouais. bien l'idée. C'est es des espèces de jouets là en fait. Ouais. Et du coup, sur les cubes, il y a des symboles aussi. Euh, là, on retrouve la tête du Joker. Exactement. Là, il y a un, un... là, il y a un waouh, là il y a le symbole de Batman au-dessus. Ouais, regarde de l'autre côté, tu encore autre chose ouais. ici. Ici, il y a Poison mais... Ivy. Euh, regarde ici. Ah, ici il y a les oui, euh, comment s'appelle ça? Les quatre couleurs de, des cartes à jouer. Ici, il y a les cartes. Waouh! Ici, il y a les quatre, les... Wow. Les quatre couleurs. <laughs> ici, ici, il y a les quatre couleurs des. Waouh! Des, wow. des Ici, il y a les quatre couleurs des cartes à jouer. Mmh. Sterfka au euh, Voilà, vous avez compris. Exactement et Ici, si on retrouve un peu des trucs de poison ivy parce que du coup, c'est des espèces de lierre, quoi. Et moi, ça me fait penser à poison ivy, sachant que c'est sa pote euh, Harley Quinn. Donc, ouais, tout à euh, fait. Et regarde, attends, ouais. attends, 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 le détail. I V Y, ivy. Ah bah voilà. Mais as les cubes, c'est malin. Hein. Quoi Ah c'est malin. C'est pas mal fait, hein. Mister J. Et non I... pas Mister JD oh oh Monsieur Connard, ah non, pas du tout, et il y a IVY pour Ivy. Ça, c'est malin. Et tu as vrai. raison, il y a la petite liane d'Ivy, là. Ouais. Ça, c'est cool. Bah ouais. Et ça donne envie d'avoir la figurine de la personne bah oui. à côté, là. Parce que, du coup, <laughs> à mon avis, voilà, c'est fait pour. C'est un petit clin d'œil. Et après, il y a des petits accessoires. Ah, mais il faut que je montre aussi. Coup, pour les gens, genre, ça pèse une tonne, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Ok. Donc là, on retrouve, du coup. Des rollers de roller derby parce que Harley Quinn fait du roller derby. Donc, est-ce que la figurine, du coup, elle est en tenue de roller derby Je me demande. En et tout si cas, est ouais. je les, les petites couleurs. Hein. On a le, le rouge et le bleu hein, qu'on ouais. trouve euh, bien sûr hein, classique avec le petit frein rouge. C'est vraiment très détaillé. La peinture Donc, est, est très, très chouette. Hein. C'est magnifique. Il y a un peu d'usure sur la chaussure et tout. C'est vraiment ouais, hyper bien, bien fait. fait. Putain, la peinture est bien. On a un petit débordement, un tout petit peu de peinture sur le sur le frein ouais, Mais, mais pas... ça fait du coup peint main. Peint main. Peint main. Tarnin. Donc c'est important aussi. Y ça, y pêche, des défauts. ça fait du bruit ça. Quand je tape dedans. Vas-y. Continue. Donc c'est important. Ben, euh, oui, j'ai dit. Ouais, on s'en fout. Attends, mais on n'est pas au point en fait. Ah, mais oui, Il ouais, okay. faut qu'on s'avance un peu, c'est tout. Vas-y. Là, vous avez des petites bombes, du coup, avec des petits tags dessus. Genre là, il y a un petit cœur. Ouais. Il y a un petit cœur aussi, ouais. Et là, il y a des. Bah, des croix c'est un peu bizarre mais c'est une grosse bombe des petites bombes mmh. voilà c'est un des Joker oui n'est une bombe oui, ça. Comme ça, bien sûr. et puis on a des petites euh, espèces de des, et on a des petites espèces de poupées ouais. des espèces de poupées vaudou hein, on peut dire ça parce que c'est à moitié cousu là vous voyez donc du Joker et de Batman qui est complètement écrasé ouais. et on retrouve aussi la ceinture de Batman ici voilà, C'est un ouais, si une sorte d'accessoire. Genre comme si elle l'avait tabassé. Hein, ah, ouais. oui. Je pense comme si elle l'avait écrabouillé. Je pense que Batman a pris cher. C'est ça. Et j'aime beaucoup les petites poupées parce que ça fait très, très réaliste. Lui, euh, du coup, le Batman, il a des espèces de. Comment ça s'appelle ça Des boutons. Des boutons. Donc, ouais. le Batman, il a des espèces de boutons à la place des yeux. Ça fait un peu comme le film Coraline, hein, c'est ça Oui, c'est ça. C'est bien. Ouais, mais carrément. Du coup, ça fait un petit peu peur. Ouais, j'aime bien. Et Allez. le Joker, il est incroyable avec sa bouche cousue. Là, euh, du coup, elle lui a fait fermer sa gueule. Ça, j'aime beaucoup. <laughs> ouais, c'est vraiment cool. Hein. Incroyable. Oh non, Poussin est écrasé. <laughs> la grosse bombe, c'est toi, Lita. Oh oh en tout cas, très joli socle. Il y a beaucoup d'infos déjà sur le socle. Il y a beaucoup de détails en fait. Oh ouais. C'est vraiment incroyable. cool. Et c'est un peu référencé de plein de trucs différents. On n'est ouais. pas sur un film en particulier, non, vu ouais. les petits trucs et tout. C'est un peu, voilà, il y a un, il y a un roller, il y a un truc. Euh, tu te dis bien quand même que... Je sais pas si tu te dis ça. Mais quand on voit nos autres figurines d'un quart, le socle est très haut. Oui, il est très haut. Et as peur qu'elle ne passe pas, c'est ça Ah non, c'est pas ça. C'est ah juste non. que peut-être tu vas te dire, bah, c'est bizarre. Ah non, moi j'ai une théorie là-dessus. Ah vas-y. Elle est assise. Ah, ok. Non mais d'accord. Là, il y a le trou pour son cul. Là, il y a un gros peg, effectivement, ouais. il y a un gros trou. Est-ce que tu vois un autre peg en dessous non. C'est ça. Donc assise normalement. On peut mettre ses jambes un peu comme on veut peut-être. Oui, bien sûr. C'est une figurine en mousse. Oui. Bah oui. Non mais où je sais pas. Non, mais du coup oui, pour moi elle est assise dessus. Ok. Euh, le dessous. Ouais. Si tu arrives. <laughs> oui. Qu'est-ce qu'on a Je ne vois oh pas. C'est joli. Oh Du coup on retrouve. Euh, bah, le logo. On refait ta phrase. Du coup, on retrouve le logo de la boîte. Il y a écrit « Un car scale maquette okay. ». Le numéro, bien sûr, de la figurine, c'est bien la 169 sur 500. Okay. Et on retrouve d'ici. Euh, d'ici officiel, ici quoi. Ouais. Et là-haut, Twitterhead aussi. Et Twitter Red, tout, à Et Twitter Red, tout à fait. Les couleurs sont très belles hein, du socle. Ouais, bon, j'aime j'aime hein. bien. Comblez ce trou. Mmh. Oh, oh. <laughs> Écoute, la base, je suis convaincu. Hein. Je ne vais pas te ouais. mentir, je trouve que la peinture est magnifique. Si, est de la qualité, la base, la... si la figurine est de la qualité de la base... C'est bon signe. C'est pas mal. Est-ce que tu veux tout de suite le corps ou est-ce que tu veux d'abord une tête ou une autre tête ou alors l'arme L'arme. L'arme, très bien. Je penche, je suppose que c'est un maillet. Un maillet Un marteau. marteau un oui. marteau plutôt. Attends, hein. Attention. Les marrons. Je vais aller voir si ça filme peut-être avant de te le donner ou non. Normalement, ça filme. On ira voir après, ok Ok. Je te donne le maillet. Ah, J'en étais sûre. Je suis trop forte. <laughs> oh, il est beau. Hein. Mais il contre... est presque à ma taille. Non, il est vraiment très beau. Il est Oh, il est beau. Du coup, il y a sa petite main. Donc, je vois que déjà, elle a un espèce de truc d'arlequin là. C'est bah, dans ce style, quoi. Euh, Tiens comme ça à son marteau, quoi. Il y a genre. Mm -hmm. Mm -hmm. Il y a les... des espèces. <laughs> le marteau. On voit qu'il y a mmh. des lanières autour de un le peu cuir, clair. ouais, voilà, c'est ça. Regarde clair. le bois quand tu vois la tranche ici. Ah oui, ça se voit qu'il a Attends, servi. Attends, par contre, on est complètement. Ah, ah oui, c'est vrai. Bon. Bon oui, il faut okay. que tu avances ta tête et que tu mettes le marteau plus près de toi pour la mise au point. On voit qu'il a servi, quoi, le truc. Hein. Oh, le, regarde le, la tranche du bois là, putain, avec les veines ouais. du bois. Il a quel âge, cette On dirait un tonneau, tu sais. Oui. Oh, le métal, il est bien fait. Euh, il est même craquelé et tout. Par contre, ouais, ça a l'air tellement fragile. Ouais, c'est résine euh, sur le manche, mais il faut faire gaffe. Hein. Ouais. Par contre, qu'est-ce qu'il est beau. Hein. Oh la taille du marteau ça, ça, euh, C'est pas si lourd, mais euh, quand même. Hein. Ah, je m'attendais à plus pour lourd. Un... Ouais, c'est vrai que je l'ai porté avant, mais je ne me suis hein. pas rendu compte parce que j'ai déballé. Ah, par rapport à la base, oui, ah, c'est creux, ouais. oui, creux Oui, c'est creux. Oui, c'est soit du PVC, mais non, c'est de la résine non, pour moi. Ouais. Oh, non, c'est de la résine mais creuse. Ok. Oui, c'est tant mieux d'ailleurs, parce que je ne sais pas où il se met. <laughs> je pense qu'il se met dans le trou comme ça. <laughs> Et voilà, la figurine. A bientôt, merci d'avoir regardé! serait trop drôle, une figurine genre en mode. Tu sais, genre comme une épée de Lancelot portée dans un truc, c'est genre en mode le marteau sur une base. Ok. C'est une pipe, ils ont raison, c'est une pipe! Mais oui! Écoute. C'est Gandalf Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est une grosse aux genre. Écoute. Oh, oh, oh! Vous ne prenez pas! Je ne ferai pas! Attends, je te laisse là peut-être? Ouais. Par contre, la mise au point, elle me fait chier à se mettre là-dessus, ça rend fou. Non, mais ça va, on est quand même au point en même temps. Hein. T'inquiète. Ah, hein. Vite fait. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois j'ai peur, mais. Non, le, le pitié, mais pas au bord. <laughs> pitié. Vous savez, les CRZ, j'ai une phobie. C'est les objets au bord. Vraiment, ça me fait peur du cul. Et là, il a foutu le socle au bord, quoi. J'ai J'ai... J'ai vu aussi que j'avais des cheveux. Quoi À part. Tu veux les cheveux Attends. Il y a marqué L et R. Ah Ah, c'est c'est couette ah bah tu vas voir, pour pas qu'on les différencie, je vais juste te donner le côté droite pour okay. que le pour que le left reste à sa place, okay. pour qu'on sache que ça c'est le droite. Mais voilà. C'est des couettes, regardez, c'est comme moi. Ah bah c'est pas mal. Ah c'est pas mal. Par contre, t'as vu blonde. Ouais, pas de dégradé sur les cheveux, ouais. pas de couleur machin Mais et tout. Vrai. J'ai regardé un petit peu, moi je ne connais pas exactement tout le passif d'Harley Quinn, mais Harley Quinn c'est pas. Mais Harley Quinn au tout début est blonde complet. Hein. Oui, elle est blonde C'est dans les comics ouais. je parle après. Oui, elle de... là, ces petites mèches de couleur, oui. mais beaucoup plus tard. Donc bon, écoute, mais ils ont fait pas. le choix de première Harley Quinn, un peu blondasse, la grosse salope comme on l'appelle. Ah pardon. bon On va voir si ça enregistre. Ah oui. C'est-à-dire, faut que je marche sur la figurine. Ne regarde pas mes pieds. Je ne regarde pas tes pieds. Regarde mon gros cul. Ça enregistre, on a 19 minutes. Je crois que. Je ne sais plus s'il y a une limite, tu me dis que non, mais s'il y en a forcément une. Je sais plus. Bon, on va faire gaffe. On va faire le corps et puis on ira voir la fin du corps. De base, mais de c'est pas dans le elle, dessin animé Elle est apparue dans le dessin animé, oui. Oui. Euh, et dans le dessin animé, elle a son chapeau d'Arlequin. Non, lequin, non parce le... qu'on la voit en Harley Quinzen au début du dessin animé. Donc on sait quelle couleur de cheveux elle a. En oui, non, cas. mais ça je sais, mais je veux dire en tant que. En Harley Quinzel, oui, oui. Mais du coup, en tant que Harley Quinn, elle a son chapeau. Donc oui, dans le les cas, on voit pas ses cheveux. Tu es prête pour le corps Oui. Tu veux liser le chat ou ça va à ta tête Non, non je ok. Je fais du bruit car je déballe, c'est magnifique le corps que je vois. Oh là, c'est beau par contre. Hein. Oh, c'est beau sa mère. Hein. Il, il, il. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Oh, c'est trop beau. Attention, Alita. Le premier truc que j'ai vu, c'est son cul. Oui, regarde son cul. Alors, excusez-nous, on est un peu... Ah. Excusez-nous, la, mise... la mise au point est sur elle, mais ça vaut le coup. Oh, elle est si belle Oh là là, tu veux que je la mette vite fait Vas-y, mets-la. Oh les jambes oh. <laughs> oh La position est. Oh le petit pied. La peinture est belle. Alors ah. c'est marrant parce qu'on est sur un effet comique, c'est-à-dire que la peinture est unie. Oui, Tu ça vois, on n'a pas beaucoup. le côté ombré, machin ouais. un truc, contrairement un peu au décor qui est beaucoup plus fouillé. Oui, c'est vrai. Là on est sur un latex. Ouais. C'est très uni, un ça peu pas bien. brillant, mat, satiné. Satiné, satiné. C'est ça et c'est beau. Putain, oh. c'est beau. Oh, ah, mais là, ils ont un truc avec les corps, c'est ce que j'ai vu direct avec la Poison Ivy. Tu parles de Twitterhead Oui. Ouais. Ils font. Euh, genre, ils savent très bien reproduire les muscles et tout, là. Ils sont trop forts, genre, on voit trop les muscles de. de ah oui, fils, je vois ce que tu veux dire, les oui. abdos et tout, c'est trop beau. Ah, c'est vrai, t'as les petits plis qui vont au bon endroit, ah. les gros tétés, pardon, excusez-moi. Oui. Le marteau, oh là là, vous pouvez le mettre. Pas compris. Vous pouvez le mettre. Oui, les formes sont incroyables, c'est ça. Regarde, je vais vous le tourner aussi pour vous dans le chat et pour vous en vidéo, même s'il y aura des plans d'insert évidemment et puis des plans finaux. Mais je vous la tourne un peu comme je peux. Bon, elle tient bien dans le truc, t'inquiète pas, oui, hein, oui. bien sûr. Mais regardez. Alors, la peinture, nous, on remarque parce qu'on a tourné du coup. Alors, c'est la figurine qui est au point, plus nous, hein, excusez-nous, oui, mais non, bon, c'est le sujet de la vidéo. Mmh. Euh, regarde les limitations de peinture. Pour moi, c'est du très bon travail, c'est même presque meilleur que ça, side shows. On a euh, un petit pet de résine ici et un petit pet ici aussi, si on veut être ah, précis. Oui. C'est pas quelque chose sur lequel non, on aura l'œil, nous, ça on s'en fout. Mm. Mais il y a un tout petit défaut de résine ici. C'est pas, c'est tout petit. Hein. Mais euh... Sideshow ne fait pas aussi bien, à mon avis. Je te rappelle que sur les autres figurines qu'on a, on a, on a toujours eu des petits défauts. Des Je... petits défauts de peinture, en fait, très léger, mais. J'essaie de me rappeler, oui, la Batwoman par exemple, dans ses cheveux. Ça la Batwoman, exactement, ouais, tu ça as raison. Il faut un petit oui. peu et tout. Ouais, je me Alors, la Catwoman, elle a, euh, la Catwoman, elle a pour elle que euh, son corps est recouvert d'un vrai cuir. Oui. Il y a un vrai vêtement en ouais. cuir par-dessus, avec la petite fermeture, on peut l'ouvrir, ouais. voir le, le, les boobs et tout. Ouais. Et du coup, c'est vrai que là, comme c'est du vrai cuir, avec des coutures, bah, du vrai cuir. On s'entend. Il, oui. il y a une vraie matière oui. sur la figurine. Ça s'appelle du mix and media d'ailleurs. Oui, C'est-à-dire qu'il y a une vraie matière en plus de la résine, ce qui n'est pas le cas ici. On ouais. est sur de la résine moulée. Donc, du coup, on voit moins les défauts. Là, c'est beau, il y a pas de défaut. Tout à fait. On a une main qui est déjà présente. Ouais. On a une main marteau. Donc bicolore, c'est ça. Donc c'est vraiment sa tenue euh, du dessin animé, pour le coup. Sa tenue de Harley coin. Ouais, euh, de canard. Pardon. Oui, d'harlequin, exactement. Oui. Je vais me permettre juste de la mettre comme ça. Si ça te dérange Attends, pas. Attends, mais on voit carrément les fossettes de son cul. Montre. Ah oui Ah oh, oui, c'est bien. Ah oui, les deux petits trous que vous avez oui. au-dessus. Ah, c'est joli. Hein. Ah, c'est joli. Et du coup, dans ses omoplates, son dos. Vous avez vu juste avant normalement. Mais ah oui, il y a les trous des, des omoplates trou. ouais. et les, et les, les, les comment s'appelle ça, ça Les trapèzes, non Non, les trucs qu'on qu a, les deux os qu'on a là. Omoplates. Ah oui, on... <laughs> tu viens de le dire. Yes, je suis un connard. Donc de base, je crois que de face elle est comme ça pour vous. Ouais. Et le marteau, en fait. Euh... Elle le tient comment Elle le met comme ça. Ah oui, derrière elle, en fait. Mais ça tient ça Chose pas forcée. C'est ça Je pense qu'il n'est pas beaucoup enfoncé là. Pas possible qu'il tienne comme ça, ça. Attends, ça me paraît bizarre. On va on va regarder sur le truc, mais. Hein C'est comme ça, tu penses De bah, toute façon, on a un détrompeur. Bah, ouais, pour moi, elle est comme ça. De hein. bah, toute façon, elle va pas être comme ça. Bah oui, Il oui, oui. faut regarder le son de sa main. Le pex en fait. est vers là. Ouais. Mais attends, mais ça tient ça Genre, ça, c'est pas craignos Okay. Ah, ça repose sur son épaule. Ça repose sur son épaule. OK. Là, il, il vient cool. de se remettre en place. Mmh. OK. Oh, oui. Ah, ah oui Ah oui mmh. Ah ça prend une dimension là. En fait, oh ah oui, là. du ça lui donne vachement de volume. Alors c'est ça que je t'expliquais. C'est que regarde la hauteur. On est sur oui. une hauteur un, de Batwoman. tu vois, ça. du personnage qui est debout. Ouais. Grâce au socle qui monte vachement. C'est ça. Mais le personnage là est allongé. Ouais. Malgré du coup grâce au socle, elle prend une taille de un corps elle prend une taille de un corps classique dans ta collection, c'est cool. Par contre, du coup, l'envergure qu'elle chope, ça, ça c'est cool, quoi. Là où une Batwoman est beaucoup plus, position, plus en hauteur, tu vois. Sa position, je suis fan, mais fan, on dirait un, on dirait un truc de photoshoot, genre euh, d'une mannequin euh, hyper douée. Euh. Franchement, il faut y penser. Genre le, C'est incroyable. Et La main repose là, sur le socle, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Ah, c'est pas mal, putain, c'est cool. Hein. Franchement, c'est incroyable. Ah, les délimitations sont cool, parce que de toute façon, ils ont collé les mains après coup dedans, donc on n'a ouais. pas de peinture qui délimite. Ça, c'est propre, hein. putain, c'est bien. C'est pas mal. Alors, tu vas avoir euh, deux têtes, du okay. coup. Euh, pour t'expliquer un petit peu sur la version euh, exclusive, ce que tu avais à la place, en plus, puisque que tu as quand même deux têtes sur la version régulière, ouais. c'est qu'à la place du marteau, tu as son gros pistolet avec le ben. bouchon dedans, tu vois, et ouais. le tiens comme ça, du coup. À ah la oui, place ici, elle le tient okay. là. Elle a son gros flingue. Ouais. C'est pas mal aussi. C'est pas mal. C'est cool. Version exclusive. C'est vrai que moi, je, je suis très fan de son marteau, donc je suis très content. C'est mythique le là. marteau. Et c'est d'ailleurs euh, ce qui est un peu chiant quand tu pars sur des Harley Quinn plus récentes, c'est cette oui. batte de baseball. La ça. batte de baseball est quand même moins sympa que ce gros marteau là qui n'a aucun sens, qui est très oui. comique, qui est beaucoup trop gros pour elle, est qui ne pourrait pas manier ouais. normalement et qui fait tout le, le sel du personnage, tu vois. Exactement. Son côté un peu, euh, on appelle ça déjà le mot, pipi, je crois. Psychopathe. Qu'est-ce que tu veux comme tête Est-ce que tu veux ma tête préférée, la tête que j'aime le moins, ou est-ce que tu veux, est-ce que tu veux que, putain, qu'est-ce que tu veux comme tête Est-ce que tu veux que je te donne par rapport à mes goûts, ou est-ce que tu veux que je te donne plutôt par rapport à, je sais pas quoi, je sais pas. Par exemple, tu me dirais, j'imagine qu'il y a une tête comme ça, une tête comme si. Qu'est-ce que tu veux non, mais commence par celle que tu aimes le moins, du coup. Ok, celle que j'aime le moins. À mon avis, celle que j'aime le moins, c'est celle-ci. Alors, je te la montre ici et vous la verrez en insert. Voilà. Là où tu vas devoir utiliser les couettes. Mais elle est belle. Hein. Mais j'aime bien. Ah, elle, est belle. elle est belle. Elle est belle. Alors, c'est la couette euh, gauche que tu as Non, la R. La R Et je vais donner Mais la L. R pour. Dans quel sens bah, pour, pour elle L. Pour elle, forcément. Droite. Ok. Bah, tu vas te laisser faire. <laughs> si tu veux. C'est ça que tu as toujours peur de faire ça. Oui. Alors, est-ce que tu peux la décaler sur le côté un peu, ou pas Elle Oui La figurine, oui. Euh, non, okay. je peux pas. Tu peux pas, c'est trop lourd <laughs> Oui. Ok. <laughs> je sais de tirer dessus, ça pas bouger. En fait... Ah, attends, on va se mettre comme ça, on avance un peu, avance. Ah bon. En fait, t'arrivais pas à mettre les couettes parce qu'elles sont en arrière. Ah En fait, les... tu voulais les mettre sur le côté, bah, oui. et en fait, non. Alors, je pense qu'on a bien fait de mettre le marteau avant, ou pas Je pense que oui. Et voilà Ah Oh, putain, c'est beau Oh, elle est belle par contre. Ah, sans déconner, elle est belles. Comment hein. ça, t'aimes le moins ça Elle ouais. est trop belle, avec est trop belle. tête, je la trouve trop bien. Oh. Ah, j'avoue qu'elle est belle avec ses couettes. Elle est, couettes. Elle est... Attends, Son sourire est vraiment oui, bim, oui. Ça. Avec son maquillage tout blanc. Alors, nous qui sommes très dans les trucs comme ça, la peinture de la, des lèvres, c'est pas mal, mais ça bave un peu. Par contre, les yeux... Oui, parce qu'elle s'est maquillée vite fait, oh. quoi. Les yeux, qu'est-ce que c'est beau. Hein. Attends, tu peux me la tourner Ah, ouais, ouais, les yeux, c'est magnifique. Est-ce que tu veux chacun de plus ah ouais, non, c'est bon. Regarde les yeux. Magnifique. Euh, c'est propre de fou, hein. ouais. Chaque détail. Il y a des reflets dans les. Il des reflets dans les yeux. Elle a une espèce de maquillage un peu noir. Smoky, un peu. Ouais, ouais c'est cool. Smoky, c'est ça, ouais. Euh, le teint très blanc. Blafard, ouais. tu vois. Le, vraiment le maquillage blanc, blanc. Bah, on n'est même pas sur du maquillage. On est un peu comme le Joker. Oui. On est un peu dans le comics, c'est-à-dire ou dans le dessin animé, c'est-à-dire produit chimique et je suis blanche, blanche, quoi. Exactement. Parce qu'on voit bien n'y a pas de limitations, qu'elle ouais. a pas les, par exemple, les oreilles couleur chair. Oui. Et euh, t'as vu ce petit masque latex mais brillant, ouais. hyper brillant par rapport au reste. C'est cool. J'aime beaucoup, elle est trop belle. Elle ressemble beaucoup du coup, elle, elle ressemble beaucoup du coup, elle, au... elle ressemble beaucoup à Harley Quinn des comics, hein, bien sûr. Oui, que... sauf qu'elle a un visage euh... réalistique, tu vois, réaliste. Oui, mais... sur le comics, elle a un beaucoup plus. Euh... Sur le comics, elle a un beau... Sur, le... sur le dessin animé. pardon. Ah mais oui, moi l... j'étais sur les comics, c'est pour ça. Ah oui, c'est ce que t'as dit. En fait, oui. ok, ben bah, j'ai rien dit. Oui, oui, ben bah, de toute façon euh, l'inspiration du costume, tout quoi. Ouais. Et j'aime bien ces petites boules du coup de trucs les pompons là. là les pompons ouais ces petites boules ces petites boules, <laughs> boules. j'aime beaucoup ces boules du coup c'est Margot Robbie qui a servi d'exemple ah non 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 j'aime bien la symbolique parce que Harley Quinn elle est assise avec son gros cul sur le symbole de Batman et en oui. plus le et en plus elle met du poids sur le gros cube qui écrase la oui. qui écrase la oh et en plus elle met du poids avec son gros cul sur la voilà oh et en plus elle met du poids sur oh et En plus, elle met du poids avec son gros cul sur le petit cube qui écrase la, la poupée, peluche. Ouais. Ouais, la peluche de Batman. Et en fait, oui, c'est de la mousse de la poupée qui ressort oui, là. Ça. Elle, éclate. elle écrase. C'est pas mal en vrai. J'aime hein. beaucoup. Elle écrase le patriarcat. Je vais aller voir si euh, ça tourne. Et non, c'est pas Margot Robbie. Ça tourne. Je vais couper hum? et je vais relancer. Je vais refaire un clap. Excuse-moi. Hein. Mais Mais je vais bien être bien. sûr parce qu'on a 25 minutes de record. Donc voilà, on a deux fois 25 pour l'instant. Troisième partie. Vas-y. Bah rien. Ok. Je vais te donner la deuxième tête. Ouais Et ça va être la fin des découvertes. Bah mais oui, tu vas oui, pouvoir oui. nous parler un peu plus de ce que t'en penses, si t'es contente, si tu aimes le cul. Je vais la mettre comme ça, ça te dérange pas Dos à toi Pas du tout. Au pire... Vas-y, mets-toi là. Hum? Ouais. Au pire, ce que je vais faire, c'est je vais te donner la tête dans les mains. Oui. Et puis tu vas voir si tu préfères et on va la mettre dessus après, évidemment. Mais oh là bien là sûr, on va tester D'avance, je te demande, est-ce que tu t'attends à une tête particulière J'imagine que oui. Oui, bah sans cheveux, du coup. Sans cheveux Bah, genre avec son... <laughs> Chauve. Chauve. Non, avec son bonnet. Oui. Avec son truc de harlequin, quoi. Je te le dis d'avance. T'as compris, évidemment. Mais en plus, il y a, je trouve, une autre expression dans le visage que je préfère. Tiens, je te la mets là et tu nous dis ce que tu en penses. Ok. Oh, oui Elle a du polystyrène. Merci. Voilà. Oh ah oui, son sourire, il est plus narquois, c'est ça qu'on dit Non, carquois. Carquois, hein Oui, il est <laughs> <laughs> il fout de ma gueule. Oui, elle est un peu en mode. <laughs> oui, J'ai sur les queens, j'aime le cucu. Et effectivement, avec ses. Oh, j'aime trop avec son bonnet de, du coup du, du dessin animé, quoi. Bah ouais. <laughs> bah Son truc d'arlequin, quoi. C'est ça. Je vais t'enlever la tête. Alors, normalement, les couettes elles restent en place, elles ont pas besoin d'être enlevées. Ah oh, oui, c'est aimanté, ok. C'est pour ça que j'en chie des ronds de chapeau. Ok, c'est bon. Je pose la tête ici. C'est dommage d'ailleurs, je vois qu'on n'a pas le socle pour la tête. Ça, ah oui. j'aime bien quand les marques font ça, c'est-à-dire un petit présentoir ici, un peu genre, ça aurait pu être en bois comme ça, en faux bois, et hop, vous mettez la tête dessus et il y a le pegs, et comme ça, vous pouvez exposer la tête à côté. Mm. Parce que sinon, tu la mets où Bah voilà. ouais, bah, ça reste dans la boîte quoi. Voilà, ou à côté comme on a fait avec les figurines, mais poser comme ça, c'est un peu dommage quoi. Alors là, je vais mettre ça. Ah oui, ça, ça, ça va facile. Ah oui, non mais là… là... Ah, mais oui, ça change tout. En fait, ça change même la position parce que du coup, elle est beaucoup plus comme ça. Oui, tu as raison. La tête. Alors, l'angle n'est pas le même. Voilà. Effectivement. Ah oui, oui. Est comme ça. L'autre est par par là la tête. Ouais. Là, oui, voilà. Et du coup, effectivement, ça change un peu tout. Et je, voilà, ouais, effectivement, je crois que je préfère comme ça. C'est plus joli comme ça. Bah ouais, du coup. Bah ouais, je sais pas. Tu veux la voir de face, ouais, peut-être. je veux bien. Sexenal, c'est marron. Ah ouais. Tu préfères aussi Sunkrad Ok, on est d'accord. Ouais, C'est pas mal. Hein. Bah ouais, là, là, il y a Harley Quinn comme on l'aime, quoi. Ouais. Elle est incroyable. Son visage est cool. Le choix de, je sais pas, du, du, du mannequin qu'a servi pour poser, quoi, du visage de la personne qui a, qu a servi, forcément pour le sculpteur, oui. euh, la tête est cool. Ouais. Son visage est cool, j'aime bien. Euh... beaucoup, ouais. Ouais, bien. Elle a un énorme nez, en fait, elle a un grand nez ouais. et j'aime trop. Ouais. Ça lui va trop bien. Et ce sourire, quoi. Et... et en fait, oui, ils sont très forts parce que du coup, les deux têtes, c'est vraiment la même personne. Genre, ça marche oui. vraiment c'est la même expression. Quoi. Ouais, là, elle est un peu en mode lancinante. Ouais, et, là, raison, et là, tu as raison, elle est carquoise comme un arc. <laughs> Exactement. Non, mais c'est chouette. Elle est chou ah, et mèche devant, sa petite. Euh... Ah, c'est joli aussi. Mais bah, hein, oui, elle a une petite frange, quoi. Mais t'as en envie fait... d'exposer ça à côté Oula Oh, j'ai eu peur. T'as envie de... Mais pourquoi ils n'ont pas fait un petit. Tu vois Mais ils ne font jamais ça. Si, il y a des marques qui font ça. Prime One, ils font oui, ça. Voilà. Quand t'as trois, quatre têtes. Parce pour ils moi. Font un... Bah oui, déjà, par exemple, la Supergirl, on a deux têtes. Hein. Oui. On a les cheveux longs et les cheveux courts. Elle est belle avec les cheveux courts, on la met toujours cheveux longs, mais c'est vrai qu'elle a sa petite coupe carrée de. Ah putain, on l'a mis où la tête Dans la boîte C'est chiant. Mais c'est chiant. en fait, c'est là où on se dit, enfin, on pourrait se dire, bah, du coup, on change de temps en temps. Oui. Et on voit presque pas, en fait, depuis tout à l'heure. Ah oui, pardon, t'as un marteau, en fait. Alors, je vais la remettre. Je vais vous donner un autre angle. Je sais pas si c'est un autre angle, mais je vais tourner. Elle pèse une tonne. Attendez. Là, vous voyez rien du tout. Oui, voilà. Très bien. Je, vais vous, je vais vous, voilà, je vais vous la remettre comme ça à côté de moi, c'est parfait. Donc vas-y, continue de parler. Excuse-moi. Donc, donc oui, on peut, ou, donc oui, on pourrait se dire, on change de tête de temps en temps, mais en fait, on le fait jamais parce que du coup, c'est dans une, parce que du coup, c'est dans une vitrine et ça bouge pas et je on va pas s'embêter du coup à changer la tête. Peut-être que si c'était sur des socles à côté, on aurait envie. Voilà, exactement. C'est un peu mais dommage. Oui. C'est un peu le truc. Tiens, imagine, tout, tout bête, hein. Il nous faisait un cube comme ça. Oui, avec la tête. Qui se met à côté. Mm. Avec un trou dedans, ça n'est pas grand chose pour eux en plus. Un cube avec je ne sais pas quoi, n'importe quoi, mais encore les symboles et tout. Paf Eh bah oui. oui. ben bah oui, bah oui, bah oui. Mais c'est pas grave, on va se faire foutre, on a compris. C'est ça, on fait notre choix et puis c'est tout. Exactement, et le choix, ça va être ça. C'est ouais. ça Ouais, il y a des chances. Hein. Ouais. Regarde le dos, regarde le cou Harley Quinn dans le dos. Il y a les plis. Les quoi. petits plis du latex. Ça, c'est tout con. Incroyable. Très, très bien fait. C'est tu sais ce que. En fait, tu sais ce que. Waouh c'est ce, ce que je Il <laughs> y a un poil, là. C'est une dinguerie. En fait, moi, du... en fait, moi, cette figurine, elle me donne envie de faire un cosplay et de refaire la, la photo, tu vois. J'en mettre dans la même position. Mais c'est très dur. Hein. Elle est très souple. Il hein. faut trouver un le costume mou... comme ça ouais. qui te va bien. Donc, c'est que du sur-mesure sur les ouais. trucs combinaisons. Tu me le hein. fais Yes. Elle est... As, elle est extrêmement musclée, hein, par contre. Hein. Mais oui. Ses bras, là... Elle est un Putain, elle est musclée, sa mère. C'est pour ça que ça m'étonne pas qu'ils fassent euh, RuPaul Drag Race et tout, parce que les drag queens en général, elles sont très musclées. Tout à fait. Et du coup, ça ressort trop bien. Enfin, je veux dire, ça se voit qu'ils travaillent beaucoup le corps. C'est chouette. C'est trop beau. Et Sarah, tu fais la poupée du Joker. Ouais, carrément. Ah oui. Ou de Batman plutôt, ouais. Comme tu as raison, du Batman ouais. là, pff, en mode machin. <laughs> euh, J'aurais juste si j'avais une note. Non, je t'ai dit pour ça. Je t'ai dit pour ça. Ok. Sache que en même temps qu'ils ont sorti cette Harley Quinn, ils ont sorti tu regardais l'autre chat ou pas Oui, je regardais le chat. Et oui, ça se trouve c'est une crade. Ouais, ah, peut-être, peut-être. Mmh. On voit pas en vrai. Sache que euh, en fait quand ils ont sorti cette figurine, ils ont également sorti une Joker à côté sur un trône qui ah. est énorme. Il est sur un siège, il est magnifique. Je vous mettrai l'image là, mais je l'ai pas là, je suis désolé. Ouais. Mais vous voyez de quoi je parle vous <laughs> les euh, vous voyez de quoi je parle vous parce que vous l'avez vu en vidéo. Et en fait cette figurine elle est extrêmement chère. Elle a pris une cotation de zinzin. Je sais pas pourquoi le Joker euh, à ce point là. Mais c'est vrai que bah es contente quand as euh, Harley Quinn à côté du Joker bah, sur son oui. énorme trône parce qu'on ouais. retrouve un peu le même style pour le socle. Même si ouais. c'est un trône, il y a les petites, pas, je sais pas si c'est des poupées, mais il y a plein d'objets comme ça, oui. vois, un peu et dans le ça c'est le même sol du coup. Pour ça. Avec, Exactement. Avec... Et du coup, ah, t'as envie. Mais ouais, bah, franchement, elle va être bien hein. dans la figurine. Elle va être bien dans la vitrine là, à côté des autres ouais. euh, méchantes d'ici. <laughs> et en fait, du coup, plus je la vois et plus je me dis qu'on l'avait vue ensemble. Ça me parle. Ça te parle Tu as peut-être vu Parce sur le site fait, de je me sou... Oui, je me souviens en fait de l'histoire des deux têtes. Et je me rappelle qu'on avait débattu un petit peu en mode, ah oui, elle est sympa blonde et tout, mais franchement, avec son chapeau, elle est encore mieux. Et je me rappelle de ça. Donc, je ah, qu'on l'avait regardé en fait. C'est possible. Du coup, le choix de la figurine, t'es contente bah, ou pas Oui, je suis très contente. Ça correspond à ce côté normalement d'Harley Quinn. Ah oui, c'est la... La... Oh. la Harley Quinn classique du dessin animé. C'est la Harley Quinn de 1992. C'est l'Harley Queen pour des comics, mais voilà, c'est la même chose que voilà, le début d'Harley Queen. C'est ça, c'est tout début, et du coup, bah oui, c'est ce que je préfère, malheureusement, parce que c'est vrai que les Harley Queens modernes sont sympas aussi, mais je sais pas, je n'aime pas autant que les versions euh, d'origine, on va dire. 585 balles, coucou Delia 585 balles au Joker, c'est pas si pire, Soundcrad, hein. ah c'est vraiment l'esprit ce prix-là, ça attention. va. Alors, attention, c'est peut-être à un sixième. Du coup, ils ont peut-être fait je le même. Je ne suis pas truc. sûr qu'il y ait un sixième euh, sur le Joker. En tout cas, 585, ça côté. va, c'est hein. une euh, Si, si ce n'est pas sur le site de Child show. Parce ouais. que sur le site de Child show, il faut compter 100 euros de plus, à peu près pour les frais de port. Tout à fait. 60 euros, je crois. Et il y a la douane, obligatoirement, il ouais. y en a pour 200 euros de douane. quoi. Voilà. Donc, il faut essayer de l'importer en France. Mais si c'est sur un site français, pourquoi pas okay. Franchement, en vrai. Euh... Donc, voilà. Donc, euh, jolie petite figurine qui rentre dans notre collection. La quatrième figurine, un quart DC ouais. Comics. Elle va être trop bien à côté des autres, c'est sûr. Oui. En plus, on a mis les en rouge. Ça va être trop Mais bien oui. dans la vitrine, là. Ça fait. On vous fera un plan dans la vitrine, d'ailleurs, en fin de vidéo. Bien sûr. Évidemment. C'est sûr, ça Du coup, ça coûte beaucoup plus cher, en fait, du coup, c'est le problème. Et du coup, les, les... en France, quand tu veux la faire sur des sites français, c'est plutôt, les les 700 balles, quoi, du bah coup, ouais. avec l'import. Oui, compte, euh, du coup. Le... Et euh, putain, le 700 sein. balles, ça fait mal au cul, hein. mmh. C'est le double de cette figurine-là, à peu près, de ce que j'ai payé. On a payé ouais. combien On a payé 350 euh... 350 400 non, plus. 400 je sais plus. 400, euh, 400 quelque chose euh, Ouais. Je sais euh, plus. Je sais plus. Tu m'as dit, mais je sais plus. 1200 balles en fait. Ah ouais, voilà. Ah, mais je me suis trouvé de taille. Voilà, c'est là. Hein. Es c'est pour ça que je t'ai dis la Joker est bonne fortune. Je ça rend, dit. Fou. Ça rend fou, ça. fou la Joker. T'as envie oui. de la voir, mais. Oui. Mais bon, on fait des personnages féminins. Ça... Oula. Mais bon, on fait des personnages féminins, donc ça nous rassure. Euh... C'est bon pour toi C'est bon pour moi. Écoutez. Euh... Comment on les appelle déjà les gens sur YouTube On sait plus. On n'a pas de nom. Je crois pas. Préparez-vous à dire au revoir à YouTube tout le monde dans le chat. Comme ça, au moins. Eh ben, sera pas ce sera pas décalé. Voilà, dites au revoir dans le chat euh, à YouTube, s'il vous plaît. Tous, t'es prête? Mmh. Écoutez, j'espère que ce petit retour sur YouTube fugace vous a plu. C'est vrai qu'on fait pas beaucoup de vidéos, mais c'est avec le cœur et on en refait quand on en a envie. Et okay. ça, voilà, vous êtes au rendez-vous quand même. Voilà, on a hâte de lire vos commentaires et de retrouver mmh. la communauté de YouTube et qui va nous dire. Ah, machin truc et tout. On vous rappelle que tout ça est filmé en même temps sur Twitch. C'est incroyable. Regardez là, putain, mais alors c'est un autre plan. C'est quoi C'est incroyable. Et regardez comme ils sont gentils les SRZUS. Ils sont trop gentils. Ils sont gentils les SRZ. Oui. Bah oui. Rejoignez-nous sur Twitch si vous en avez envie. Il y a des streams un peu tout le temps. Beaucoup trop d'ailleurs. N'importe quoi. Ou si vous n'avez pas envie d'être sur Twitch, il y a la chaîne de VOD aussi on on upload de tout. Où on, euh, où on upload tous les lives, donc vous pouvez même regarder sur YouTube. Euh, si c'est vrai ce que tu dis, c'est vrai. Si vous voulez taper des 4h, heures, 5 heures de live en rediff, ce qui est très particulier à faire, mais pourquoi pas Il y en a qui aiment bien. En tout cas, euh, en tout cas on vous fait des gros bisous, c'était un plaisir de vous refaire une vidéo. En fait, on avait envie, hein, dès que je dis une vidéo, oui. on dit on oh, refait une vidéo. Bah oui Tu Par contre, t'es complètement fou hein, depuis ah. de tout à l'heure. Oui. Non, là je suis nette. Je suis là, hein. Tu trouves que t'es nette toi Bah oui, regarde, mes yeux sont verts. Ton cul est marron, hein, mais pas tes yeux. Hein. Ah. Ok, peut-être. Ah, vous êtes trop mignon! Vous êtes trop mignon! Regardez, viendez, on s'amuse bien ici! C'est vrai, c'est vrai ça! Euh, je suis très content, ça me plaît de l'avoir en vrai, je suis encore plus content! Toi, je suis contente que ça te convainque aussi! Je, je pense que voilà, j'ai fait le choix, mais parce que je savais ce qui te plairait, et puis je me suis dit, vas-y, on, on prenait Harley Quinn, sinon on va jamais le faire! Au moins, c'est fait, celle-ci est parfaite, elle réunit tout ce qu'on aime! Oh, c'est parfait! Euh, on vous fait des gros bisous, on vous laisse avec des plans d'insert de la figurine, quelques-uns, et puis on se retrouve sur YouTube dans six mois! Non, n'importe quoi. Dans un an. Dans un an. Oh, n'importe quoi. Oh, non, on exagère. Dans 5 ans. Ouais, plutôt. Allez. Bisous tout le monde. Bisous. À bientôt sur Twitch peut-être. C'est bon Ouais. Vous êtes gentil. Souble sao. Souble sao. Ouais, chaise, tu peux remettre ton message J'ai vu que tu avais mis un message juste avant qu'on fasse l'outro. Je ne sais pas ce que tu as dit. C'était assez long et j'ai. Coucou les choubidou. C'est dans la boîte. Elle était bien la vidéo, non Bien, on va faire la, la miniature. Est-ce que la miniature, on ah la fait oui. pas avec la figurine au milieu comme ça Bah ouais. Et on aussi. fait comme ça, vas-y. Ouais. Tu t'avances bien pour être sûr d'être au point. Ouais, là je suis bien. Là vous allez voir, c'est très cringe les miniatures. Ouais. Du coup, ça joue à quoi comme jeu aujourd'hui okay, la, la meuf qui a, qui a pas compris que c'est un pas stream découverte. découverte. Ah, trop conne. Bande de cons. Attends, on va faire nos miniatures. Ça va, c'est pas trop cringe les Saranzoos ou pas Genre <laughs> Oh my god, j'ai mangé un cheval je n'aime pas le sexe. Ma grand-mère est morte <laughs> non. Je pense pas que c'est vrai quand tu dis oui. Cheste <laughs> nul. est nulle. C'est bon, non Je pense que c'est pas mal. Merci, Delia. Pas mal, hein Très Ça belle, hein trop... ouais, Je suis content. Par moi. Contre, trop comment trop on va faire pour l'emmener là-bas Oh, je vais la porter, hein. Ça va aller. Ah oh, oui, oui, mais euh, en fait, tu sais quoi Je vais la porter euh, quand on aura. Euh, Tout tombé. Bon. Ouais, je pense qu'on ouais. aura dégagé un peu des débranché parce que j'ai trop peur que. Que tout le monde, machin. Vous en pensez quoi dans le chat de la figurine Ce qu'on vous a un peu lu, mais pas trop non plus Est-ce que vous la voyez bien J'en rends même pas compte. Est-ce que vous voulez que je vous zoome dessus Vous savez quoi La caméra elle est facile pour ça. Voilà. Bah ah oui, allez-y. Euh, je... Allez-y oui. Saran Vous allez êtes si Saran hey me Pour mes quêtes. Pour les quêtes. Il a dit il faut mettre les couettes d'Alita en valeur. Mais je sais pas si je l'ai fait du coup. Ah merde, je pas... sais pas. Tant pis. Je sais pas si là Allez-y voyez... Allons-y. Voilà, là vous la voyez bien. Je vous baisser comme ça, voilà. Je vous fais le live Merci comme ça Leclerc. maintenant. Elle est vraiment belle la figurine, par contre, sans déconner. Est trop... Elle est incroyable gros. Elle est grosse hier Elle est canon. Je parle d'Alita, bien sûr. <laughs> non, mais là, et attends, sur la, sur la Black magic là, je suis en train de regarder le retour. Les muscles du bras, comment on les voit bien gros Ils sont trop bien moulés, là, Mais oui, elle est, oh, elle est belle J'adore. Elle est trop belle, hein. Je crois est... que c'est mon king les femmes musclées. Ouais, bah moi aussi, hein. Comme, euh, je sais pas, moi, comme euh, chaise <laughs> Femme musclée avec une grosse belle. Mais oui, le sourire est... Eh c'est bon, on voit bien Alita. <laughs> Et du coup, l'autre visage, il est chouette, hein, quand on met... Euh, quand, on, quand on est Mais on je ne met... suis pas là Mais je ne suis pas là Elle est aimantée, la tête, alors, ça fait bizarre. Oui, bah comme tu... souvent. Hein. Ah ouais, ouais, bah, ouais Pas ouais, sur les autres. Bon, je ne crois Mais pas. Si. Mais ah si, bon si, si, c'est aimanté. Aimanteuse. Attends, pourquoi je n'arrive pas Ça fait peur, hein, putain. Mais comment elle se met Gros, c'est une dinguerie de faire ça. C'est une dinguerie de faire ça! Maxime Biaggi, Attends, je vais enlever cette couette-là, on la mettra après. De toute façon, c'est la couette qui fait chier. En plus, je prends plein de points en ce moment. De poids, ah. Ah ouais? Chaise. Ah bah, c'est bien, il faut prendre ça. De toute façon, tu frottes à moitié les pompons sur le corps. bon, ta phrase est drôle. Faut remettre les couettes après. Attends, laisse juste comme ça. Ah, elle est marrante en vrai. Ça lui fait une coupe un peu de C, genre Tomboy, comme dirait. Comme dirait Chase. Ah elle est jolie comme ça aussi en vrai. J'aime bien. Ah j'aime bien hein. à cause de Chisp et de soda. Chips et Bah ça, mange bien. mieux. <laughs> c'est ce que, que je te dis. Mange mieux. Mange tes morts par exemple. Bah arrête. <laughs> tu es triste Arrête. Attends mais c'est où qu'elle se met ça Dans son cul je crois. Elle peut pas être devant comme ça, ça n'a aucun sens ce que je fais. Ah c'est au-dessus du marteau peut-être. Je suis con, oui. Oui. oui ah oui ça. ça repose sur le marteau à moitié. Oui ça repose sur le marteau les, les couettes. Non, je préfère l'autre tête. Oui, moi aussi. Bah, moi, le aussi, le moi aussi, mais c'est juste que bah, elle a le mérite d'être là. Hein. Elle est jolie quand même. J'aime bien. Tu vois, ça donne un côté Harley Quinzel là. Ouais, c'est ça. Tu vois, genre est elle est en, en transformation ouais. avant de, elle elle avant elle de mettre son casque quoi. Elle est en train ouais. de faire sa belle avant de mettre son casque. Elle est en transition quoi. Ouais. Elle transitionne la meuf. J'aime bien. Non, mais, mais c'est vrai, on dirait vraiment qu'elle pose. En mode, je pose pour euh, narguer le Joker, tu vois. Ouais. Ou un, peu, un truc ouais. comme ça. Je suis en train d'écraser la figurine. Batman. Ou un nargue Batman, tu vois. a Batman à côté, le nargue en écrasant la figurine. Là, 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 la poupée. Qu'est-ce la qui qu me fait une ombre comme ça On dirait que j'ai fait, fait, fait du contouring de ouf. Mais t'as fait du contouring de ouf. C'est ça, en fait, à l'Italie. Elle truc. écrase. Batou, batou. Batou, batou. De... Tu sais ce que j'ai envie de faire Parce que là, les Saranzos, ils sont mignons. J'ai envie de leur offrir la figurine. <laughs> D'offrir la tête. <laughs> D'offrir la tête. J'ai envie de... Faire, faire un... pipi. Mais arrête, ça n'a rien à voir. Hein. Faire caca comme de toute façon, on va les ouvrir là-bas. En fait, je vais regarder le plan, comment il est fait. J'ai envie de leur pisser dessus, tu vois. Donc toi, t'es belle, Alita, mais alors. le problème, c'est que t'es trop belle pour la vidéo. OK. Donc là, c'est pas mal. Donc là, mettons je te pisse dessus. Moi, bon je vais la couette R. <laughs> Quelque que j'ai fait. Ouais, je me fais R, merci. On va je regarder par rapport à, en fait, à ta merde. T'as arrêté l'enregistrement en micro Non. Bah moi non plus. Il faudrait peut-être le faire. Vas-y, fais-le. Fais j'ai arrêté moi. J'ai bon? arrêté, arrêté aussi. Vous m'offrez la figurine pour ma future chambre Non, Emilia. Non. Tu te l'achètes, comme tout le monde. Je veux juste faire un truc, Alita, parce que c'est facile. Je veux juste comparer à une Sideshow. Ok. Je veux juste Et la mettre à côté. Là. Oula. Ok. Je ramène Batwoman. Je veux voir la taille. Ah ouais, non, c'est cool. Parce que tu vois, pour une un quart, elle a beau être assise, elle va pas faire beaucoup plus petite. Non, putain, euh, euh, le truc c'est que la Batwoman elle, elle est en Mixel média media tu vois. La cape, en ouais. tissu. la cape en tissu ça joue beaucoup. Mais, euh, elle allez... coûte combien celle-ci Laquelle La Harley Quinn ou la ba Batwoman Elle a coûté combien La Harley Quinn compté... on n'arrive plus à savoir. La Harley Quinn je pense qu'elle a coûté 450. 400, ouais, Du euh, coup. 500. Je peux aller voir, hein, mais je ne sais plus. 400. En gros c'est un peu moins de 500 euros quoi. Ouais. Et celle-ci c'était un peu plus qu'on a pris la version exclusive où ouais. elle avait flingue mais c'était une pré-order. C'était une pré-order, la précommandée. Ouais. Chez Sideshow, on est de la 600, douane. C'était 600 quelque chose ouais. avec la douane. Peut-être peut 700, euh, peut avec, peut 700 la douane. avec la douane. Ouais. Sans mon pied. Alors ah, le queen lui fait bon, un coup de pied. pied genre... <laughs> Sans mon pied, ouais. Un peu. Sans mon pied. Elle est belle, hein. Elle, elle, elle est vont bien vraiment bien belle. Ensemble, hein, elles, elles vont bien ensemble, ouais. Elles vont très très bien ensemble. Bah, en fait, elle ne sera pas avec elle à l'étage. Elle sera avec Catwoman. Euh, ok. Tu ramènes Catwoman Non. Mais c'est pas grave, hein, c'est facile. Non, non, non. Mais ça peur. craint rien des yeux. S'il te plaît, non. T'as peur vraiment Oui, j'ai peur. Euh, en fait, le socle de la Catwoman, il est immense. Bah, est il est hyper problème. lourd. Oui. Et du coup, j'ai pas envie. Mais en fait, j'ai même pas envie que tu te fasses mal, surtout. Mais je me fais pas mal, c'est pas si lourd. Hein. Oui, mais bon, non. Exagère pas. Non. Mais l'auront pas. Vous l'aurez pas, mais vous, vous aurez des photos. Et euh, puis c'est la mienne, en fait. Puis vous l'aurez en vitrine. La hein. Vous l'aurez en vitrine, les loulous. Vous la verrez en vitrine, dans le décor. Vous la verrez. Euh, dans la vidéo YouTube, parce que vous allez vous abonner sur la chaîne As Family évidemment. C'est pas faux ce que tu dis. Donc bon. Et en fait, tu vois sur la boîte. Oh. Sur la boîte, ici, la je représentation... Gaffe, il y a un verre ici. Ok. La représentation qu'on avait, c'est ça. Ah oui, d'accord, oui, on la voit bien. Et du coup, tu aurais vu qu'elle voilà. était allongée. Tu aurais vu la tête. Et, tout, vu la tête et donc, je trouve que... La boîte est chouette, hein, d'ailleurs, pour une autre marque. Vous euh, ah, voyez que mes couettes n'ont aucun sens de dos. On va savoir ça ah, elles sont pas centrées, ouais. Ouais, elles sont pas centrées, quoi. <laughs> Mais non, ça marche pas, du coup, on a désactivé toutes les commandes. Ouais. Je te rappelle le message d'épinglé, quand même. <laughs> Qui est de toi On va la comparer à son homologue. Je vais chercher Catwoman. Non Je déconne. Je vais aller chercher la ah, figurine... Le tableau, il marche. Hein Le tableau, il marche. Oui, c'est normal. Il vient pas de Gogoun. On va comparer à une figurine 1 sixième du dessin animé. On aurait peut-être dû le faire en vidéo d'ailleurs. On est con. C'est pas grave. Ça n'a pas trop de sens. Une 6ème et du dessin animé. Que j'ai acheté à Londres. Ah, les couleurs ne sont pas les mêmes. T'as vu comment elle est beaucoup plus ouais. Burgundy celle-là Ouais. Ah, c'est marrant. Mais elle est encore plus cartoon. Oui, bah c'est le ça, dessin elle a animé. Des... Elle a vraiment les petites couleurs qui Ouais, les <laughs> pieds bah, très pointus. son visage aussi, regarde. Ah oui, elle fait. Et puis, euh, c'est ça que me fait. flingue avec la fumée, ouais. Elle a là. Elle un flingue, donc c'est cool. Bah, c'est du 16e, donc c'est ouais. des beaucoup plus petites figurines. C'est qui qui a fabriqué ça Je ne sais même plus. Ah, c'est numéroté aussi, mais 5200 exemplaires, c'est beaucoup ouais, plus ouais, gros. Beaucoup, ouais. On a le 707, mais je ne sais même pas qui c'est qui fait ça. <laughs> beaucoup moins musclé, c'est pour... pour une drague. Ah, bah, Il oui, faudrait, euh... faudrait revoir la vidéo euh, qu'on a faite. Sure. Sûr. Bah, quand on est rentré de Londres, on l'a présentée. Ah du ouais. coup, euh, je pense qu'on savait... on sait la marque parce qu'on a... Mmh. Bah, ouais, a la boîte. Mais j'ai la boîte quelque part. Ouais, sinon. Mais ça ressemble à du. Comment ça s'appelle là Ouais, mais j'ai l'idée. Du tokoimiyaku. Non, tokoimiyaku, je sais plus quoi. C'est une marque chinoise. Chicken terrierki. Mais il y a un sixième, du coup, ça paraît tout petit à côté d'un quart à chaque fois. Le cul bombé aussi. Évidemment, c'est Harley Quinn. The Bubble Butt. Bubble Butt. Bubble Butt. Bubble Butt. Non, elle est jolie. Attends. Eh ben ah oui, comme ça, elle est trop drôle. Vu du dessus, elle a une tête trop marrante. Et ça vous fait pas le même angle, vous, je pense. Mais moi, du dessus, elle est trop drôle. Elle fait bon. Ah, un compas avec une. Une petite pop. Une, pop une pop de moi Une pop de moi Une pop de moi ah, C'est mignon, en vrai. On a envie de faire une photo de toi, comme ça. En train de faire caca. Tu fais caca J'ai fait pipi Moi, elle met Harley Quinn Ah, tu fais peur, Alita <laughs> tu sais que ça se trouve, je vais mettre dans la vidéo ça. Moi ouais, mère Harley Quinn <laughs> Attends, peur. tu veux qu'on fasse encore des trucs de taille et toi j'ai un truc au grand mieux Mais qu'est-ce qu'il fait bah, je te fais des trucs marrants Je fais des vidéos de toi marrantes, <laughs> toute nue. Hein Ça on active les commandes Non Mais non je peux pas, en plus. Ah oui elle voulait faire un, un cheat. <laughs> voilà Celle-là elle vient de Micromania. Oui. C'est une petite. Comment ça s'appelle déjà les trucs hawaïens là Une uh, hula hoop Non, non pas ça. Un truc qui fait ding 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 doing doing. Refais les gros yeux là. ah, le Charlie Queen J'aime le caca J'aime le caca. Alita, tu peux raconter quand même qu'aujourd'hui, pour. Nous avons préparé cette vidéo, donc nous avons oui. dû installer tout un setup quand même, mais on s'est levé plutôt tôt pour un dimanche Plus exprès tôt tôt. parce que nous voulions faire autre chose nous voulions aller euh, bouger pour bouger pour faire pour conduire la voiture nous sommes allés donc au Burger King à Saint Malo donc à une petite demi-heure de chez nous ouais. juste pour que Alita conduise la voiture c'est tout d'accord elle va rien dire ok c'est super non bah du coup elle <laughs> est non mais <laughs> trop... ah bah c'est bien est je l'ai sortie j'ai réussi bah oui j'ai du coup euh, bah du coup il y a des capteurs de partout donc ça m'a aidé. Non, elle est trop bien. En fait, elle me rappelle parce que moi, j'ai eu comme première voiture une Cinchento. Donc, c'est la Fiat 600, mais genre les vieilles en mode euh, voiture en mode sans permis là. un peu là. Ouais, ça ressemble vraiment à une voiture sans permis. J'avais partagé sur Discord en plus parce que ça vrai. me l'avait personnalisée avec euh, des, des Batman dessus. Des logos Batman des logo de toutes Batman. les époques partout, ouais, ouais dessus. Et merci. Et merci. Du coup, euh, donc, ça me rappelle un peu ça parce qu'au niveau du gabarit, ça se rapproche plus ou moins. Et du coup, ouais, trop bien. Et j'ai conduit, elle est trop agréable. J'ai réussi à mettre le limiteur de vitesse, truc que j'ai jamais fait. truc La voiture la remettez dans Alita qui a tendance à rouler un peu à droite. sur la 4 voies, un défaut de conduite. La voiture la remet sur la bonne voie et l'insiste. elle tourne le volant toute seule. C'est trop pratique. Tu restes au milieu, salope. Non, elle n'a pas les portes qui s'ouvrent bizarrement. À chaque fois, les gens qui vont chercher les photos des Fiat 500 voient ça. C'est les Fiat 3 en 1, là, mais nous, on n'a pas pris ça, on s'en fout. Ah oui, la Fiat, où il y a la porte en plus, là. Ouais. Oui, oui, c'est vrai. Il y a mais cette mais elle est très spacieuse. Alors, en fait, nous, ça nous fait un effet de. C'est pas notre voiture encore. Vous voyez, comme si vous empruntiez la voiture de quelqu'un. Oui, oui, on est en mode, et... c'est notre voiture, vraiment Attends, c'est bizarre. Trop bizarre, ouais. Ouais. Mais en tout cas, ouais, tout se règle, le siège, et du coup, j'ai pu le monter. Je n'étais même pas à fond, mais j'étais bien haute, j'étais trop bien. Le... J'en regarde le poids. J'étais même okay. pas euh, trop prête Alors attention à la lampe derrière toi. Ouais. Dis-moi si je, je... Là tu passes, tu passes. Le sol, ça va Ça va, tu peux te relever. Je peux me relever ouais, ouais. Ok, merci beaucoup. Je reviens. Et, euh... et du coup, oui, j'étais me garer à mon travail pour voir et tout comment ça se passe. La caméra de recul et tout, est tout trop bien. Et, euh... et après, quand on est rentré, j'ai réussi à la rentrer dans la cour et j'ai failli foncer dans le mur. Quand je l'ai garé. Voilà. Ça c'est moi, parce que je suis nul j'ai regardé la vidéo de Londres et c'est DC Collectibles. Ah merci. Ah merci. Merci Sunkrad. C'est quoi la voiture C'est une Fiat 500 électrique, dédiée. Ah oui, t'avais pas suivi, toi. On a, On a un une photo vitrine, sur là. Discord. Mais euh, c'est notre nouvelle voiture, c'est 500gré. Elle est trop belle. Eh ben, et bah c'est la merde elle un est peu quand trop Trop quand agréable. Même. Et voilà. Du coup, elle a une, une patate de fou. Alors j'ai du coup conduit euh, sur la 4 voies avec et c'était génial mais c'est juste que du coup j'ai beaucoup consommé hein, parce que du coup je sais pas encore bien conduire euh, l'électrique comme il faut quoi, pour pas consommer genre mais du coup trop bien elle est trop agréable donc je suis contente je peux enfin genre conduire une petite voiture comme ça euh, tranquillement mais je vais quand même faire les trajets au début avec Saran pour être à l'aise parce que bah du coup genre me garer là et faillir enfin euh, euh, à deux doigts de, de foncer dans le mur bah c'est pas très bien quoi déjà en ah ouais, ça l'a fait hein. c'est juste que j'ai du mal voilà. parce qu'en fait la pédale euh, oh. quand on accélère en fait je sais pas pourquoi j'ai du mal genre je me dis euh, ça va pas genre je veux accélérer pas beaucoup mais du coup j'appuie un peu et il se passe rien du coup je veux appuyer un peu plus fort mais je vais appuyer trop fort d'un coup et du coup ça fait voilà ma vie faut que je fasse un trou dans le elle passe pas ouais faut que je fasse un trou on dans le fond, rien. comme ah là Catwoman. p Word j'ai en... entendu quoi oui c'est pour ça, t'as dit la pédale. Ah, c'est pour du... ça que j'ai dit, oh Coucou Scraffer, Scraffer, c'est ça, oui. Hello Tu avais une essence avant On avait une, une voiture une, thermique une essence. C5. Ouais, une C5. Une C5 essence. Automatique aussi. Automatique mais essence. Et euh, donc voilà. Mais la C5, je la conduisais très très peu. Trop grosse pour toi. n'y arrivais pas, ouais. Alita n'aimait pas, et moi j'aimais bien. Mais bon. Juste qu'il y avait trop de frais dessus pour la maintenir en état, donc on a décidé d'arrêter. Voilà. Euh, qui c'est qui a qu si on avait une, une essence Ah oui, c'est des oui, je suis con. Et donc, euh, c'est cool les électriques. Ouais. Et en fait, on avait un truc un peu particulier, c'est que normalement, euh, au niveau de la recharge, ça n'aurait pas dû recharger aussi vite. Oui, c'est vrai ça. Et c'est un peu étonnant. Et donc, du coup, c'est juste qu'on l'a branché cette nuit. On a dit à la voiture, tu ne te recharges que de 2 h du matin à 6 h du matin. Pour être, du coup, vous savez, en heure creuse Ouais. Ouais, même si on en heure creuse tout le week-end, nous. Ouais. Mais bon, c'était pour éviter, vu qu'on a des consommations, pour éviter que ça fasse sauter la maison en ayant trop de trucs qui chargent ça. en même temps. Et donc la voiture nous indiquait bah, du 12 heures de recharge. Non, pas autant. 10 heures, 10 heures de recharge, ce qui mmh. est un peu logique, hein, parce que normalement c'est 15 heures de recharge pour mmh. avoir une recharge complète. C'est ça. Et en fait, ce matin, bah, elle était à 100%. Ouais. Je n'ai pas compris. En fait, elle a rechargé vite. Voilà. Elle a menti. Tu pas fan des Fiat mmh. Mais elle est jolie. La fin des Fiat, ah. mais elle est jolie. ok, wow, je c'est vous après. Ouais, on a le fil, on a un service. On, on, on a deux câbles, le Clair. Ouais, on a le câble de recharge ouais. rapide et le câble de recharge à domicile. C'est ça. Du coup, euh, elle, elle se cou... branche vraiment comme euh, n'importe quel appareil, tu vois, Ouais, genre, on a mis une prise de courant extérieure. Ouais. Une prise de courant classique, quoi. Euh, on a tiré comme une ligne au tableau euh, 16 ampères pour qu'elle soit toute seule dessus. Mm. Mais, euh, mais c'est une prise de courant classique, quoi. C'est pour ça que c'est aussi long la recharge, le Clair. Parce qu'en recharge rapide, tu es plus sur du... Euh, mm. sur du, Je sais plus combien d'ailleurs. Une demi-heure pour 80%. Ah ouais Oui. C'est à ce moment là ah ouais, mais ça doit faire. Alors, vraiment ça la recharge rapide, les... mettez la recharge entre deux, ouais. c'est qui est qu y 5 ah oui, heures, est un ça. machin. Parce que ça va vraiment niquer les batteries. Oui, oui, de toute façon, ils conseillent au maximum sur les voitures électriques de la recharger mm. le plus lentement possible, le moins possible de recharge rapide. Donc, du coup, le mieux, c'est de faire des recharges lentes de 15 heures, comme ça. Nous, c'est parfait pour nous parce qu'elle reste 2 jours, 3 ouais, jours sans bouger à la maison. Ça. Donc, elle est branchée en constant, elle se recharge tous les soirs un petit peu euh, sur... lentement et ouais. ça préserve la batterie, c'est le mieux. quoi. Ça. pour garder la batterie le plus longtemps possible hein, voilà tout simplement Mais du coup c'est cool c'est agréable c'est une patate de malade hein. ah, de par fou contre, ça accélère à fou. ça accélère de fou mmh. j'ai fumé ouais. les gens là et on est bien dedans en vrai euh, même en ouais. pra... moi, moi qui quoi, je en suis passager, grand ouais. moi qui suis grand aussi mmh. euh, t'es bien dedans t'as de la place hein. ouais non tu dois toujours la laisser brancher bah ouais je pense, ouais, bon. je pense bah. de quoi oui bah si oui non euh, elle veut dire par là de, genre chez toi t'es obligé de la laisser brancher non du coup tu la branches que quand tu veux la recharger quoi Ouais, mais si tu conduis tous les jours, t'es obligé. Ah oui, tu... mais non, mais elle bah, parle je, je sais pas. <laughs> je sais pas Delia. Sais pas en fait, ça dépend, de ça, ton... dépend de ta... ça dépend de ta consommation de la voiture. Oui, ça dépend où tu vas avec, euh, quelle distance tu fais avec. Oui. Là, en fait, on a une autonomie, genre là, elle a indiqué 200... 200 km, je crois. Hein. Non. Non, non c'est 300, mais là, c'était 270. Oui. Vu le mode de conduite. Bah, t'as dit 200. Ah, 270. 270 Oui. Un peu plus. Vous avez le GPS Bluetooth ouais, ouais, on, on a Android CarPlay. Là. Android CarPlay où ton portable est détecté automatiquement mm. et du coup, tu as tous tes SMS à Discord <laughs> sur, oui. euh, sur les vous écrans vous de la voiture. Oui, avec l'écran de la voiture. Tu as le GPS intégré, tu En plus, comme c'est la version euh, La Prima, tu as, as le son via JBL. Là, ouais, les... le son euh, haut de gamme. Là. Les basses sont trop bien, ouais. on a écouté Ariana dedans du coup. <laughs> yes Thank you. And... And... Non, on n'est pas obligé de la recharger à chaque fois, c'est ça. En fait, bah, ça dépend de son utilisation. Non, mais je pense que même personne ne recharge sa voiture tous les soirs. Bien sûr pas, que ça. si. Les gens qui font... Attends, 300 bah, si. km. Bah 150 km. Tous les jours. Oui, attends, écoute, écoute, écoute. On ne va pas t'exciter là. Moi, je vais donner un exemple tout con. Vas-y. Euh, les voitures électriques, c'est bien pour les commerciaux, par exemple, tu vois, qui sont là, qui veulent se déplacer avec un peu tous les jours, et comme ils font beaucoup de routes, ça épule moins. Oui. Bon. Euh, 150 km pour un commercial, c'est pas grand-chose hein. C'est-à-dire que s'il fait euh, 70 km aller, 70 km retour, c'est 150 km. D'accord On est d'accord. Oui, c'est pas c'est pas on est d'accord les gens, c'est pas déconnant euh, pour un commercial, je parle de 150 km admettons. Comme l'autonomie de la voiture c'est 300 km. Ouais. Un peu moins en vrai, ça dépend du oui. temps surtout on ce moment c'est oui. l'hiver, bah c'est pas il fait pas très chaud donc un oui. peu moins. Donc, du coup, si tu dépenses plus de la moitié de ta batterie par jour, tu es bien obligé de la recharger tous les jours. Oui, bah, bah, c'est vraiment dans euh, un okay. cas de euh, grosse utilisation bah, et euh, loin. Mais je veux dire, si c'est une voiture quotidienne de, euh, pour aller au travail… Oui, faire des minutes si, de route tous les jours. Voilà, sinon, on la prenait pour le travail, on la rechargerait pas tous les jours. Vu ça notre utilisation à nous, euh, elle va, elle va, on aura besoin de la recharger une fois par semaine, ouais, on va dire. Sauf que le truc, c'est qu'on va la laisser brancher dès qu'on rentre et mmh. plutôt la mettre, justement… En recharge le plus doux possible pour préserver la batterie. Voilà, c'est ça. Oui. C'est ça. Donc, en fait, oui, ce que je veux dire, c'est pour ça que je répondais à c'est quand même mieux que tu rentres chez toi, tu la branches. Puisque de toute façon, la voiture d'elle-même, va se recharger la nuit. Oui, je comprends ce que tu dis. Mieux Mais de là, là comme par ça. exemple, on ne l'a pas branché, c'est pour ça que je dis ça aussi. Là, on ne l'a pas branchée, non. Mmh. Non, parce qu'on se dit, je vais en course mardi. Bah ouais. Mardi, je la brancherai après les courses. C'est ça. J'ai fait 300 km juste pour une tartiflette. Alors, les commerciales font beaucoup plus, je pense. Oui, je pense aussi. Hein. Moi, je pense aussi. Hein. J'ai fait 300 km juste pour une tartifette, ça me fait vraiment rire. Mais en vrai, il faut quand même pas oublier que c'est mieux de partir à 100%. quoi. Ça évite oui, aussi d'être en. C'est ça. Parce que ce n'est pas une essence, les gens. Donc, euh, une essence, tu tombes en rate d'essence. Bon, quelqu'un t'amène un bidon. Le haut du bidon. Le bidon tu bidon. Tu tombes en. Tu tombes en panne en, en électrique. En peine en électrique, euh, bah, t'appelles euh, ouais. une ambulance. Une... <laughs> ouais. T'appelles une, une, une dépanneuse. Hein. T'as vraiment pas le choix. T'as ouais. pas le choix. Donc, euh... bon, après, il euh, faut y aller. Nous, on a pris la version 300 km, la version avec le mmh. plus de kilométrage possible pour une petite citadine, on va dire. Il y avait la 150 ouais. km, la 300, on a pris la 300 en se disant, nous, c'est largement assez ouais. justement pour, on fera jamais 300 km en une fois. Et ça. si jamais tu dois partir en voyage avec, que tu dois partir euh, euh, même en week-end, un truc loin, c'est ça, une ambiance pour, pour voiture, voiture c'est ça. <laughs> tu dois partir loin, en fait, là, tu utilises le câble de recharge rapide. Bah c'est tout. Ça, ouais. Tu te dis, bon, mm. bah, tu fais comme tous les gens qui partent en voiture avec une. Mm. Voilà, tu dire tu fais 300 km, bah, tu fais 250 km, tu t'arrêtes à une heure de repos avec les bornes de recharge rapide. Il y en a quand même ah, beaucoup bah aujourd'hui. Plus plus, ouais. oui, et puis, tu mets ton truc de recharge rapide, ça prend une mm. demi-heure pour 85%, on va dire une heure de recharge. Pendant ça, là, tu manges ou tu fais une mm. pause. Et, et effectivement, voilà, du coup, sur le GPS, ça indique les Toutes les bornes. de recharge. Toutes les bornes. Mm. Donc, on voit, tu tranquille en vrai. C'est payant, les recherches, Je pas. Je pense, on ne ouais. sait pas. Mais on imagine. Je pense, je ne sais pas je du tout comment ça système se passe. un ou, euh... ou... alors, comme tu disais, parce qu'on a des bandes Tesla compte, à côté. Quoi, ouais. On se demande si ces bandes Tesla, en fait, tu ne vas pas avec ta carte bancaire. Ouais. Et tu... Parce qu'il y a deux types de bornes en plus, mais tu... Et puis, tu payes, je ne sais pas je ne sais pas du tout comment ça se fait. Mais que tu payes. C'est bon, de l'électricité, quoi. Alors, euh, par exemple, les bandes de recharge dans les supermarchés, vous savez. Ouais. Mais qui sont intégrées dans les supermarchés avec les fameuses places devant handicapées, places euh, familles nombreuses et ouais. places euh, de recharge. Ouais. Tu en as souvent euh, dans Arène, les... par exemple. A oui, tu en as dans tous les centres commerciaux. Celles-là, ouais. normalement, elles ne sont pas payantes. Ouais. C'est parce que tes clients du magasin, le, ça, le temps tu viens de... toute branche, euh, le ouais. temps de faire tes courses, voilà, ça, ça ça te recharge. Et c'est souvent, ils ont souvent associé ça à des panneaux solaires qu'ils ont mis sur le toit de ouais, leur magasin. Ça leur coûte rien, ça leur fait venir des clients. Souvent, c'est là, non. Après, les bandes de recharge rapide, oui. Les Tesla, elles sont payantes. Bah oui. Et je pense que oui, effectivement, tu as raison. Faut, je pense un abonnement. Mm. En tout cas, un abonnement ou un, un compte. Et après, ouais. tu crédites euh, le truc. Après, le rechargement à la maison, c'est est le mieux du coup. Bah oui. Parce que tu payes juste ton kilowattheure. C'est ça. Et ça reste beaucoup moins cher que l'essence, quoi qu'il arrive. Ça qui est bien. Bon. Oh, oui, du coup on se moquait des gens euh, aux pompes euh, à essence. Non, on, on se était moquait pas avec les nullos. Non, c'est pas vrai. <laughs> c'est même pas vrai. Mais du coup, euh, c'est juste que tu. Tu dois juste faire plus gaffe aux gens, c'est tout. quoi. Parce qu'on oui, écrit, que tu fais aucun pas. bruit, les petits t'entendent pas. On hein. a vraiment vu, euh, moi j'ai vu deux cas euh, vraiment où les personnes, elles allaient euh, pour traverser. Bon, heureusement, les gens ont des réflexes de regarder. Ouais. Mais euh, du coup, effectivement, il faut anticiper à mort. Mais ça, ce que je disais, on a déjà l'habitude un peu en trottinette. Parce que du coup, effectivement, les gens n'entendent pas du tout. Mais vraiment pas du tout. Ouais. Il y a quand même Delia qui dit « ça va, 1,55€ l'essence ici ». C'est le diesel à euros qui est euh, cher. Bah, le... 1, mais 1, 50... tu te rends compte que Delia, on est de la... maintenant la génération où 1,55€, wow. ça va, c'est pas cher. Ah, non, non, mais non, non. ça rend fou, hein Mais c'est beaucoup plus cher que, par contre qu'en Bretagne, hein on est pas non. à 55 là. Si on là on est remonté à 1,70 quelque ah, là, je chose. Je m'en rappelle, je m'en On est remonté à 1,70 quelque chose. Moi de mon temps, moi de mon temps, 1,20€. Euh, ouais, mes parents mm. ils ont connu moins d'un euro. Bon, T'exagères, moi au début où j'avais ma voiture c'était moins d'un euro le litre. Oui, moi je bah. l'ai eu plus tard, c'est pour ça que je disais ça. C'est euh, quand même super cher. Mais oui, oui, mes parents qui disaient à l'époque, oh, le jour où ça passe à plus d'un euro, euh, c'est foutu, hein. les gens ils vont foutre le feu. Quoi euh. hein. ouais. bon, bah, Il y a deux pompes près de chez moi, 55-75 d'essence. Bah c'est bien. Mais euh, c'est quand même cher. C'est quand même beaucoup plus cher l'électricité, c'est ça que je veux dire. Bah oui, oui. C'est le, 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 le prix euh, de votre plein. Euh... Et c'est vrai que Delia, t'as le permis depuis pas longtemps, toi Oui. C'est pour ça que tu te rends pas compte Bah si, elle se rend compte, je pense. Mais c'est juste que quand on n'a pas. Euh, ça dépend de ses moyens, c'est ce que je veux dire. Si tu conduis mmh. beaucoup, c'est vrai que ça fait cher, quoi, c'est tout. Si tu conduis peu, Et comme plus, nous à l'époque. Hein. Du coup, euh, en plus, c'est pas les mêmes prix que, que nous. Mais je pense pas que. Ouais, je sais pas. Euh... Bah, c'est combien, euh, toi bah, le il va te dire 1,80, 90, voire 2 euros comme partout. 1,55, mais t'habites où en, en, en... Je me rappelle que le quand on parlait des prix qui étaient montés à plus de 2 euros, le c'était encore plus. Oui, ça fait un an, je mets 30 euros par mois et demi. Ça va. 30 euros par mois et demi Ah tu conduis très peu. Ouais, quoi. ça va. Ah oui, 30 euros par mois et demi, tu vas même pas tous les jours avec ta voiture au boulot, quoi. Pas possible. Ou alors ton boulot, il est à 2 km, quoi. À ce moment-là, prendre une voiture, la honte, quoi. <laughs> Pour 2 km. Mais. Euh... Mais. Euh... Ah oui, oui, non, ça. Ah ben déjà, c'est fou, hein. j'ai l'impression ouais, que c'était hier que tu l'as eu. Bah, c'est pas hier, c'était hier, non Ah ouais. Mmh. C'est pour ça. C'est tôt encore pour dire que c'est normal ces prix-là. Il y a à peine deux ans, quand j'achetais la voiture, c'était 0,70 le diesel. Mais non C'est pas possible. Non, c'est pas vrai, Myriam. Alors peut-être si, le diesel. Mais non, bon. pas 0,70 non, ouais. non, non, Myriam, Non Tu veux vrai. dire 20 ans peut-être Non, il est 1,75. Ah oui, voilà. On m'en coïncide. Mais non, Myriam, mais t'en rends compte, 0,70 après s'il si le dit c'est que mais non, mais ça l'a marqué. Pas. Non, mais je crois pas, pas possible. On a dépassé depuis bien longtemps les 1 ce euh, oui, pour le diesel sens. ou l'essence. Non. Mais le diesel moi alors si je peux me permettre, non, non, il non. me semble que moi le diesel ça fait ça fait un moment que enfin euh, c'est passé tard. Du coup plus cher. Alors, ils ont laissé un moment genre euh, beaucoup moins cher que l'essence. Maintenant ah ouais. ça s'équilibre presque. C'est aussi cher. Oui, puis le diesel va devenir plus cher parce ouais. que c'est des questions de pollution, de machin. Ils vont, ils vont aligner le truc et machin. Mais le truc, c'est que comme 0,70, ça me paraît vraiment. Euh... Mon boulot est dans ma ville, donc très peu. Je fais des gros trajets quand je vais voir ma famille, une à deux fois tous les deux. Oui, mois. mais c'est ça. Oui, ça. ça. Donc euh, oui, tu n'as aucun intérêt. De... Ouais. Si on prend pas la voiture tous les jours, tu n'as aucun intérêt. De... Tu t'en fous. Mais euh, Attends. Est dans... Ah oui, on s'en fout du bruit, je suis con, ce pas un ton âge. Ton boulot est dans ta ville, mais du coup, euh, tu peux y aller. Euh... Bah, Il en voiture Bah non, j'imagine pas. Chacun fait ce qu'il veut, Alita. Si je la juge, non, je rigole. Bah non, non c'est pour savoir. Il y a des gens, ils prennent leur voiture pour faire euh, une, un kilomètre. Hein, donc, euh, ça, tu peux rien y faire. Il hein. y a des gens, ils pleuvent, ils veulent pas aller à pied. Ça, c'est parce qu'ils sont pas bretons. Ah oui. Tu vois, des fois, il pleut et je dis, oh, fait chier la trottinette, mais bon, je le fais je quand le même. Fais, et des fois, je suis vraiment bien trempé. T'as qu'à prendre des euros, vêtements, dis plus, est... je t'ai déjà dit. Ça. Moi j'en ai. Et je voilà. mets 30 euros au lieu de 60. Je prends ma voiture car je fais les courses. Ah bah oui, du coup, ok. Je comprends. Mais tu fais pas les courses tous les jours, délire. Et comment ça, au lieu de 60 Je sais pas. Ouais, pourquoi 30 euros au lieu de 60 Ouais, j'avoue, j'ai pas compris. Que veux-tu dire par là Tu fais un demi-plein, du coup, ça veut rien dire. Tu fais pipioli Tu fais big flow et pipioli c'est chiant ça quand même le, le fait que. Oui, des... tu fais un demi-plein, c'est ça. Mon plein, c'est 60, t'as dit. C'est un petit ah, réservoir. C'est une toute petite hein. voiture, un plein à 60 aussi. Hein, hein Un plein à 60, c'est un tout petit réservoir Oui, C'est ce que j'ai dit. C'est un ah, petit une petite petit voiture. Hein. C'est vraiment comme ma Cicento. Je me rappelle que moi, la Cinchento, je mettais 30 euros d'essence. Parce que la C5, tu faisais un plein, c'était 120 plein. euros. Hein. Une Opel Corsa. Ah oui ah, C'est tout petit ça. Tout petit. Ah oui, c'est pour ça, c'est mignon. C'est très cool. mignon. Oh, J'aimerais trop de voir dedans, Delia. Tu peux pas nous faire une photo. Nu. Oui. Euh, pardon. Non. J'ai confondu, excusez-moi. J'ai confondu tous les mots. Il a confondu les mots. Du coup, n'empêche que... t'as failli me le foutre dans la gueule, hein. Oh, ça va. Euh, ça va, là. N'empêche que du coup, il a pris un, ouais, un coup, le carton. Ouais, alors c'est absolument pas à cause du livreur, puisque ah le okay. sur-carton n'avait rien. Donc, euh, c'est... Le sur-sur-carton aussi. Oui, mais le sur-carton n'avait rien, donc c'est pas possible que ce soit... Euh... Une photo de voiture... De la voiture nue, alors. Ah oui C'est ça qu'on a dit. Polystyrène. Polystyrène. Alors, ça, le problème des figurines comme ça, c'est qu'il faut garder les boîtes et ça hyper grand. Ouais. Et j'ai pas remballé la tête dedans parce qu'on va mettre la tête à côté. Tant pis. Là, je, je l'ai mis à côté et tiens. Ah. Bon, par contre, on peut pas fermer la vitrine quoi. Ouais, parce qu'il faut que je fasse un trou. Il Faut hein. que je fasse un trou au fond. Comme la Catwoman. Ouais, mais la Catwoman, j'ai réussi à faire sans faire de trou hein, maintenant. Oui, parce que tu l'as mis autrement, non Oui, et puis ça va. Et puis, les, la vite pose contre ah, son oui. fouet tout doucement, mais on s'en fout. Oui, c'est pas Alors, En plus, il a un de médias, son fouet, il est en aussi. Oui. Donc euh, on s'en fout, mais euh, ouais quand même c'est chiant quoi. Voilà voilà. Cacou cacou. Cacou cacou. Bon, en tout cas on essaiera de vous faire des vidéos, mais alors Justine, on essaie de voir pour l'histoire de la musique, on n'a toujours pas trouvé quoi. Comment ça quoi bah, que, bah, je t'ai déjà dit. je t'ai dit tout à l'heure que la musique fasse, que la voiture fait de la musique quand on roule. Ah. Mais de la voiture. J'étais là partie on fout. La, du... la Fiat 500, la Fiat 500 là. 500 grès. 90 le plein. Je vais faire deux fois samedi, samedi pour, pour déménager. déménager. Ouais. Ça n'a pas envie de partir. Tu ouais, m'étonnes. Ah ouais, tu dis que tu as foutu 180 bah, euros de. Bah ouais, c'est ouais, bah chiant. C'est chiant. Myriam, putain. Ah, ah oui, t'es obligé de faire deux allers-retours. Euh, deux... Bah oui, deux. Oui, allers deux allers-retours. Bah vrai. oui, oui bah, c'est compréhensible. Hein. Après, des fois, ça vaut peut-être cool bah... un camion, mais en fait, le problème, c'est que non. Parce que tu veux payer l'essence du camion pareil. Oui, c'est pareil. Euh... Et euh, non, mais as... Juste loin, en fait. oui, que c'est loin. J'imagine que t'as vraiment personne qui peut venir avec toi. Quoi. Mais ça ne changera rien. Il Faudra quand même payer deux. <laughs> je comprends pas ce que tu dis. Ah bah oui, non, mais ça évite de faire la route. Ah oui, la route, tu parles. Ah, ouais, c'était oui. ça, oui. Oui, oui d'accord. Oui, pas une question de coût, oui, j'avoue. Oui, oui, parce que faire deux allers-retours, le... j'imagine, dans la même journée. Ah ouais, ça fait chier. Euh... Flemme, hein Ouais. C'est pas faux, l'état. C'est pas vrai non plus, alors je sais pas quoi penser. C'est faux, c'est pas vrai, on sait pas quoi. C'est pas faux, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas faux. J'emprunte la remorque à mon grand-père. C'est pas mal. Je dois lui ramener le soir même. Quoi Du coup, j je fais trois fois la route. Euh, pourquoi tu. Ah oui, hein? tu fais trois fois la route. Ah oui, t'es obligé de et... faire non, deux allers-retours. quatre fois, Myria. Oui, il veut dire trois allers-retours. Ben non. Ben bah, si. Il fait... Un aller vers, avec un la retour. remorque. Ouais. Un retour, aller un avec deuxième. la remorque, un retour. Et... Un avec la remorque, un retour. Et une dernière fois. Et ah il oui, à vide. Après, ah. il... oh Salut Priscilla, comment tu vas Hello Priscilla ah ouais la vache mais oui, je suis con ah mais c'est ah oui c'est chiant ça Emiria hein, putain hein. mais tu vas t'endormir Emiria par contre là. bah faut pas faire dans la même journée faut essayer quoi mais bon maintenant il dit le soir même ouais mais comment comme ça ton grand père il est obligé de récupérer sa remorque le soir même j'avoue qu'il aurait pu attendre euh... il après faut attendre. la stocker la remorque hein. si Emiria c'est dans un centre ah, oui. où il va tout tu en fais quoi de la remorque c'est vrai bah ouais c'est chiant il vrai. faudrait que ton grand père te suive <laughs> je crois que tu ton grand père te suce je <laughs> te sais pas bon, quoi te suive il rentre tout seul lui avec sa remorque j'avoue J'avoue qu'il pourrait être sympa hein, le grand-père. Après, ça fait peut-être beaucoup de route hein. oh, pour un grand-père. Ça dépend quelle quoi. Ça fait longtemps. Oui, bah ça bah, fait longtemps. Oui, T'inquiète. Hein, bah, comme après, dirait mon grand-père. Tu... Euh. Bon, il fait des oui. bruits comme ça, mon grand-père. Comme tu peux, comme as envie aussi. Hein. Oui, exactement. Ça fait longtemps. Comment Tout est relatif. Nous, ça fait longtemps, oui. Et t'as oublié un petit bout de polystyrène. Non. C'est les trucs qu'il y avait dans le surcarton. Ah ok. Oh. Le sur-quartier. Ah, je vous cache pas, j'ai envie de faire pipi. Et eh ben, on va bientôt arrêter. aller... Bah bientôt, hein. tout à fait... C'est pas forcément un quartier très fréquentable. Laisser la remarque dehors, c'est pas trop conseillé. Ah merde, bah, tu vas dans un endroit bah, un peu crime, J. Myria. Bah quelle idée Bah ça dépend s'il est genre dans un truc bien fermé, genre une résidence. Tu ouais, j'avoue. tout en vrai. Euh... J'avoue, j'avoue. Mais bon quand même, moi, j'ai n'ai ouais. pas pour rien Je hein. bah ouais. J'en ai, ai en plus, c'est quelqu'un de très sensible... T'as pris euh, ta bombe au, au poivre <laughs> Ta bombe au propre. C'est tu sais qu'il est tard mais j'ai envie d'un café quoi. Ouais, il est tard. Ouais. Non est mais pas... prends toi un café. Tu veux pas un café toi Ah non. Tikawa là, un petit allongé, un allongé qui réchauffe là. Ouais j'avoue qu'il y a chaud. un bon allongé non, là. Tu là, sais là. quoi, un plus un thé là Un Americano Un Mon Americano hein, Un Mon hein, America Un vrai. thé, ok. Un bon thé divin ou un bon thé normal Oui merci, je veux bien, Delia a dit. Ok, Delia tu veux quoi Humidité sensible, a dit Sancrad. Bah oui, bah Sancrad je suis désolé mais oui. Umi, c'est quelqu'un de très je sensible. Je pense que Suncrad est, est très euh, traumatisé de Golf Hit. Oui, mais je suis désolé, mais. Euh, et puis de façon phobie après, peut-être, mais Umi, c'est quelqu'un de sensible. Moi, je le connais bien. Un, euh, un café. Umi okay. est très. Euh, très. Euh, très, euh, très euh, fragile, euh, physiquement, mentalement. Euh, il a besoin de se rassurer. Euh, c'est que les gens, comme on les aime, quoi. Des gens sensibles, quoi. Qu non, je suis traumatisé de face -mo. Ouais, voilà. Traumatisé de face Ah oh, la vache, Umi fonce dans le tas. Oui, mais dans les jeux vidéo. Oui. C'est ça. Et Umi IRL, IRL c'est ce qu'on appelle, euh, si tu veux, je sais pas quel mot dire, mais pour dire un joli mot, c'est ce qu'on appelle, euh, ouais, dans le milieu, euh, une femmelette, quoi. Ça va pas. <laughs> c'est une omelette. Ah oui, pardon. Une femmelette, une femme-lomelette. Coucou. <laughs> ça fait rire son crâne <laughs> Qu'est-ce que c'est que cette expression aussi Un mélange de femme et d'omelette. D'omelette, c'est marrant, non? Femmelette. C'est une femme ça. ou une omelette Une femmelette. T'es très belle en Harley Quinn en tout cas. Si C'était pas en Harley Quinn vraiment, t'es en toi, t'es très bien. Merde. Une... omelette c'est un pseudo. Hein. C'est son pseudo. Hein. Oui Oui, et alors J'ai pas compris, c'est qui pas. qui dit ça C'est une crade. Ok. C'est une crade, alors, faut savoir un truc, c'est que c'est une crade des fois, elle est... Wouhou Boo Red Boo Red like a... En tout cas, j'aime ai... trop voir les SRZ jouer après les lives et tout ensemble, je trouve ça trop mignon. Ouais, moi aussi j'aime bien. Faut qu'on ça euh, tous les week-ends. Hein. Ouais, moi j'aime bien aussi va... quand je vous ai vu tous ouais. dans le vocal après-frère, ouais. je dis Oh, c'est trop mignon, c'est les petites commu, ils sont trop mignon, j'ai envie de les sucer. Oh là là Surtout sainte Oh Un peu comme euh, Feyout qui a sa petite team de Minecraft euh, sur la ouais, mais ça je m'en fous, si je ne les connais pas Mais du coup, voilà, mais par contre, on est un peu déçus qu'elle ne les ramène pas sur la chaîne Sarah -André. Elle pourrait faire de la pub oui, à fond, à fond, à fond. Après, il ne faut pas oublier que c'est c'est une grosse connasse. Hein. C'est clair. Ah bah maintenant on joue ensemble avec Umi, il m'apprend plein de jeux. Bah oui, Umi il est incroyable. Qu est -ce Umi, qui c'est qui a dit ça C'est un Sennkrad. Comme Sennkrad à son PC maintenant. En parlant de ça, si vous voulez retourner sur Fasmou ou ailleurs juste après. <laughs> allez, allez Umi. Umi c'est un gros gamer. Umiria, au lieu de jouer aux jeux vidéo là, est-ce que tu serais pas, serait pas le moment de faire un peu les cartons quoi Oui j'avoue. Umiria Umi un moment à falloir arrêter de deux les minutes, cartons, tu en joueras après, hein. c'est pas grave. Hein. Tu pars dans une semaine, je rappelle. Une semaine. Nous, on a mis... Euh, Una semaine. Deux mois à faire nos cartons. Parce que moi, je suis très organisée. Moi, je suis très marron. Je suis à ce mot, Voilà. Et merde. Voilà. Il est le con. J'ai fait deux cartons. Ils sont hyper lourds. C'est que du Pokémon. <laughs> Mais il faut pas faire des cartons lourds. Oh. Ah non. Les cartons, ça, pas... ça se fait mieux à la dernière minute. Euh, non. non. <laughs> C'est une crade. Oh, C'est crade. Quelle connasse. Une crade si tu veux, on peut t'envoyer. D'ailleurs, c'est une crade qui m'a. Oh. Je tiens, à... j'aime bien me mettre une crade en porte-à-faux, parce qu'après tout, Senkra est, est un peu un espèce d'objet marron. Senkra ne m'a jamais répondu à mon dernier MP. Oh T'as ça, elle T'as jamais répondu au dernier MP Ça a été de envoyé il y a genre une semaine et demie, peut-être j'exagère, mais. Oh my god oh voilà, je suis choquée de toi. Je ne pensais pas comme ça. mais bah bon, c'est pas grave. Je me faire enculer. Hein. C'est vrai Bah non, c'est faux. Euh... Ah non, c'est faux. Euh... Ah non, c faux con. Ah mais... ah, N'importe quoi. À la dernière minute, ça va être difficile, surtout que je prends pas tout. Exactement, Badison. Il a raison, Badison. Tu vois, ça, c'est des traumatisés du ouais. dos, ça. Ah oui. Je le comprends. Badison, faut pas. Il a raison. Faut Il faire des petits cartons légers. Ouais. Et nos jambes. Et au pire, elles ont des courbatures après parce qu'on a fait plus dallers retour mais c'est pas grave. Faut pas, faut pas aller faire le malin là, et dire eux porter gros cartons pour aucune raison là. Ouga, ouga. Ouga, ouga, homme viril, n'importe quoi. Homme viril Alors, après, après qu'on est dans le lit. Excuse. Hein, homme viril dans le lit allongé euh, parce qu'il a mal au dos, c'est viril, hein Alors. Ah, c'est pas mirière. moi qui porte alors bon... Il bah, euh, m'y a rien, c'est encore pire. C'est qui qui porte Imagine ma grand-mère. <laughs> c'est mon grand-père. Quoi <laughs> Je répondais à ton message au moment où mon ancien PC m'a lâché. Bon oh, non, non, ça ne marche euh, pas pour moi. Sinon tu demandes à une autre personne de faire et porter les cartes. C'est horrible de râle. faire ça. Vous êtes méchant Vous êtes méchant. Pour vous. vous êtes méchant et vous sentez de l la, 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 la bite. C'est quoi qu'a fait bic c'est euh, la... Ah oui, la la truc euh... la théière la théière à bits. nous on a fait plein de, de petits cartons euh, légers comme tout enfin des grands cartons légers comme tout euh, plein de pop non le pire c'est des cartons tu sais oui, les cartons de pop tu fais des gigas de cartons ça ne ouais. passe pas mais c'est des tu... comics ouais, les comics ou des livres je sais Dès que tu emballes, tu fais des petits cartons parce que ça ça on se rappelle que c'est Nono qui a porté hein. ouais elle t'a aidé pour ah, les... Nono elle est forte aussi hein. ouais. putain qu'est-ce qu'elle est forte alors elle prend des Faut trucs comme ça, genre. Euh, elle fait. Ah. Euh, des fois elle me soulève, elle me prend. Euh, ouais. elle, me, elle me soulève comme ça, elle fait. Euh, euh, genre arrête, non et tout. Oh oui. Dommage que Nono ne soit pas là. On va trop qu'elle arrive à ce moment-là et qu'elle voit ça. Donc, <laughs> voilà bien. voilà. Je t'ai tout dit moi. T'as vu c'est fou parce que ça je savais pas là que Twitterette, c'est Rupaul. Hein. Mais oui c'est trop bizarre. C'est trop stylé. C'est trop mignon en vrai. J'aurais presque pu tomber dessus du coup sans faire exprès. Si vraiment j'avais été euh, enquêtée de fou. Moi ouais, j'avoue. En vrai ça va, ça, ça fait genre 10 kg max. Ouais, ça, ça va, va. 10 kg ça va. Ça prend vite du poids. Ouais, non mais 10 kilos, ça va. Non, 10 kg oui c'est portable. Oui carrément. C'est euh, l'exaté. Et l'exaté, au boulot, on a une limite de taille et de poids pour les colis parce qu'on n'est pas un gros mmh. relais. <laughs> pas gros. Et parce que c'est genre un livreur, et là en ce moment en plus c'est une livreuse qui vient et qui porte tout, tu vois, qui met dans un chariot quand même, mais bon, elle a juste sa petite camionnette, donc du coup on est limité. Et bah du coup, là il y a un mec qui l'a déposé un premier colis, je le mesure, il fait 80 cm. Je dis, bon, bah du coup ça passe. Tu me dis, le mec il fait 80 cm, c'est pas grand. Hein. Non, son colis. Il revient du coup avec un autre colis qui, qui porte à deux avec euh, sa meuf, c'est. sais. Là je dis, bah par contre là ça pèse combien Il me dit, bah 18 kg. Je fais putain, c'est limité à 20 kg. Je dis, par contre ils vont vous détester. Ah il m'a dit, là ah merde, j'ai laissé mon nom. Je dis bah ouais, bah, je veux bien. Comme moi, limité lui. à 20 kg par la médecine de travail. Ouais, exactement. Pareil comme moi En fait, je suis une limite comme, vous, comme vos. pour euh, vos colis. Ouais, as un collier, <laughs> un en collier, es t'es un colis, fait. « T'es belle avec tes couettes salopes. merci. Il a dit, bah, t'es belle avec tes couettes salope. » Non, il n'a pas dit ça. Bah, t'es belle avec tes couettes salope. » Non, Alita, Alita, c'est écrit. Alita. Bah, t'es belle avec tes couettes salope. » bah, bah, Alice salope. Au McDo, quand j'ai travaillé, c'était 25. Oui, parce que ça, c'est le normal, 25. Ouais. La limite de poids qu'un qu homme peut porter. Oui. C'est 25. Et une ouais. femme, femme c'est 15, je crois. Oui, je crois que c'est 15, oui. Mm. Mais vous voyez, euh, on rigole, Xaté. On rigole. Arrête. Explique euh. pas notre humour. Hein. Bah, si. Reraconte des cracks. Xaté <laughs> a dit Arrête, Saran, j'ai dit salope, Alita. Tu vois <laughs> Bah, tu vois, il dit ça. Vos tatouages. Ah, oui, c'est vrai, vous voyez pas souvent aussi bien son tatouage. Ah ouais? Parce qu'à la caméra là-bas, on a. Je voit suis pas, limité bon, à 5 kg, toi. Ouais, toi, 5 kg, c'est stylé. Oh. Ah oui, 5 kg, c'est déjà pas mal, hein, en vrai. Ça cha... Ah oui, ça change plus. Parce que, en fait, ça change, mais avec les mineurs. Ah oui, ça, c'est. Oui. Ça, ça change pas entre que... femmes et hommes maintenant? Ouais, c'est possible, ça. En vrai, oui. Moi, j'y crois. Hein. Mais c'est combien, du coup? C'est 25 pour tout le monde? Bah, à l'aide, en fait. Bah, du coup. Euh... Euh... Bah, par exemple, euh... moi, en fait. En fait, non, mais c'est tout con, ça devrait être par rapport à ton poids. Non, mais je suis d'accord que ça, ce n'est pas normal, soit femme-homme, mais c'est pas normal qu'on égalise sur le poids des hommes. C'est tout, ça n'a aucun sens. En fait, ça devrait être par rapport au poids, ce que je dis, parce que imagine, 25 kilos, moi, c'est plus de la moitié de mon poids. Ah oui, c'est pas possible que tu portes ça. oui. Je peux pas trouver 25 kilos. ils sont complètement à l'ouest ou quoi 25 kilos pour tout le monde, mais c'est que cette norme de merde là. moi qui les ai fait de quoi Allez, tatouage Ah, t'es tatoueur, toi, tu t'es comme Delia. Après okay. moi j'ai qu'à dire que je suis mineure. De hein. toute façon, euh, nous au boulot... Ils complètement sont C'est comme McDo, oui, il y a ça. Mais, mais même euh, 15 kilos pour mineure, c'est super lourd. Je ne comprends pas leur principe. Mais oui, ça, en fait c'est juste, oui, ça Tu qu que leur principe de, de merde, là. Ou même te dire toi-même, moi je suis capable de peser sa maximum. De porter pas... sa maximum, tu vois. C'est pas, pas euh, à toi de décider de toute façon, faut il faut qu'il y ait une règle. Ah, parce que sinon, on dirait, oh, moi, c'est ah bah. 2 kilos. <laughs> oui, non, mais c'est n'est pas ça dans ce sens-là. Les employeurs, ils diraient, non, 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 non il ah non, non, non. non okay. faut il faut qu'il y ait une règle. Ah non, l'employé estime. Non, je te dis que non. Il faut qu'il y ait une règle. Mais que ce soit 5 ou 20, je reviens. ça revient au même. Je fatigue aussi vite. Du coup, je ne respecte pas forcément. Oui, Donc, je tu ne bosses pas, pas aussi. Oui. Mais au travail, t'esquinter la vie pour tes travaux, tes trucs à toi, tes machins, c'est pas grave. Mais t'esquinter pour le travail, ça n'a aucun sens. Parce que le travail, ça reste du travail. C'est pas important dans la vie, le travail. Hein. Déjà, un sac de 12 kg, c'est lourd. Mais oui, genre moi, les sacs de, de, de granules, 15 kg. Kilos. Kilos, toi, ça, mineur, hein. tu fais porter ça à un gamin de 12 ans bah oui, Ouais, j'avoue. Je comprends pas. Bah, 13 ans, tu peux commencer bon. à travailler là. Tu peux porter ça à quelqu'un de 13 non, ans, un sac de 15 kg Mais on est où là Mais non. Si 16 ans. Non, je crois pas. Non, ans, tu peux commencer à faire des apprentissages, non Non. Bah, non. 13 ans, t'es en quatrième donc c'est bon. c'est ans pour le stage de troisième mais par ouais, exemple un travail je vais faire quoi. des sacs de viande de max 25 oui c'est ça ah, la, voilà. limite, euh, la limite la limite d'un homme normalement ça. mais moi, ça ne se plus ah tu commences ton nouveau job trop bien mais tu changes encore c'est une crade bah non le restaurant ou... une ah, crade Franck devait Vincent, là. d'ailleurs je passe ma formation hygiène dans un mois ah oh, trop bien ah tu as de pouvoir tatouer sur moi ouais, bah oui carrément tu as tatouer les genoux comme la tatoue, ce que j'ai vu là. trop bien vous avez fait mon message non mais tu parles de hardisson j'ai pas envie de parler de hardisson quoi non mais moi, j'arrive pas à lire le nom, alors je le dis pas. Voilà. On sait pas qui c'est en fait. Euh, Ardisson, non Je sais pas. Non bah, euh... Je sais pas. D'accord. Ça parle de racaille et tout. C'est une pote Ah bah, Je la connais pas, moi. Et puis j'ai pas envie de dire le mot le racaille, le racaille. On est où là C'est oui. quoi ces termes de merde là Dans mon Discord. Ah, d'accord. On... on la connaît pas. Racaille, non. ça veut dire quoi ça <laughs> Regarde, Baba Dyson qui veut se faire tatouer par Delia. Ah ouais, mais bah, j'avoue, mais il a raison. Hein. Bah il a oui, raison. Carrément. Il a raison, faut que Delia... Euh, moi, je l'attends moi, je que Delia s'entraîne sur Papa Dyson avant de me tatouer, bien sûr. Hein. <laughs> non, mais en vrai, en plus, ils sont pas loin. Moi, moi euh, Delia, elle est trop loin pour jamais faire tatouer chez elle. Puis j'ai ma tatoueuse, maintenant. Bah oui. Je, je suis fidèle ouais, en tatouage, bah, bah, La prochaine fois qu'on ira la voir, du coup, ce sera avec 500 avec g. Bien sûr. On va pouvoir se la J'ai déjà un book, ouais. si tu veux. <laughs> bah voilà, Papa Dyson, petit book, Delia, bim boum. Du coup, c'est un book de, sur de la peau artificielle. Tu fais comment, Delia, d'ailleurs pour t'entraîner là. Parce que moi j'ai une ancienne collègue du McDo, j'ai vu, euh, on se, du coup, vu qu'elle est sur Threads, là, elle euh, du coup, elle, elle t'a tout sur de la peau artificielle. Là, ah elle s'entraîne. Ouais. C'est stylé en vrai. Sur ouais. fausse peau, ouais. Mmh. ouais. On va sur Snap, ouais. peau de cochon. Non, ça se fait plus ça. Heureusement, donc, euh... ouais, putain, peau de cochon au secours. Les peaux. Sur fausse peau, ouais, c'est ça. Fausse peau En vrai, c'est hyper bien fait. Hein. Ah ça, ouais Ça a l'air d'être euh, vraiment. Euh... C'est juste que t'as pas euh, toutes les courbures un peu tu sais, du, du corps, quoi. C'est ça qui est un peu compliqué en fait quand tu tatoues. Par exemple, de tatouer une, ah oui. une épaule, c'est une clavicule, bah, du coup, t'as pas ce truc. Et je pense pas, est-ce que la fausse peau euh, est écrite comme les gens qui sont tatoués eh Genre, non. ah Non, hein, je crois pas. Ils devraient faire ça. Une fausse peau qui fait genre ouh Ou des petites contractions en mode oh là ça fait mal. Un truc euh, électronique quoi. Ouais. Ou ah Avec une conscience, avec une IA qui te dit aïe Fun Ouf. fact, oui. J'ai acheté un. Un pose-bras Un pose-bras pour que ça, ça soit moins dur. Je sais pas, on, quoi C'est quoi un pose-bras ah, c'est des trucs sur lesquels les gens qui se font tatouer, ils posent oui. le bras Et tu ah, tout dessus être. Oui, c'est ouais. comme, euh, ouais, comme. Un repose-bras, euh, repose du coup. Oui, un repose-bras, quand même, a fait, euh, quand ouais. a fait mes tatouages-là et j'étais sur un pose-bras. Ouais. Ah oui, oui, ok, d'ailleurs. Bah, c'est bien ça. Mais tu, vas faire, tu voudrais faire en salon, Delia, ou tu voudrais faire euh, euh, chez toi Qu'est-ce que t'as vu Non, j'ai entendu un bruit. Ouais, un petit clic. Une Merci. comédienne s'est fait tatouer, tant pis pour vous, sur le cou, un peu comme un collier. Devinez pourquoi Parce que elle devait se faire couper la tête dans, une, dans un vu dans que c'est une comédienne. Peut-être parce que c'était par rapport à la Révolution française, la guillotine, se faire couper. Sur mes cicatrices, la peau se contractait toute seule. C'était l'horreur pour le tatoueur. Ah ouais. Attends, t'as tatoué sur les cicatrices, putain, t'es fort, toi. Hein. Ouais, faut oser. Il paraît que ça fait mal. Hein. Du coup, maman Dyson est toujours aussi contente de son tatouage. Ça s'est bien passé ouais, la je cicatrisation J'imagine, elle dirait non. Je déteste après. ce Serait horrible. Non, mais ça se trouve. Ah, c'est fait, tant pis pour vous. Moi je pense que c'est ça, hein, c'est par rapport au fait qu'elle a joué quelqu'un qui se faisait couper la tête, je non sais pas. Bah, Comme un collier. Tu vois, c'est genre... Euh... Bah, je sais pas. Je sais pas, j'en ai aucune idée. J'espère avoir mon salon. À ah, ton propre ah, salon, c'est oui. stylé. Ira encore mieux, trop bien. Ah bah oui, cicatrisé et tout. Nickel. Trop bien, On, voit des zones. on est contente. Tu veux pas te faire tatouer toi hein Tatoue-moi sur tes seins. Te faire tatouer... Euh... Je sais pas moi, ça euh, rade dans le dos. Elle, elle donnait, donnait son corps à, son à la, corps, la science. Pardon. pardon. Euh, Vas-y de dire. Elle donnait son corps à la science. Et comme elle était connue pour son physique ingrat, elle foutait la gueule des étudiants qui allaient avoir son corps. C'est nul à chier. Pardon. C'est nul. Ah. ah, quand elle va mourir. Comme elle allait mourir. Ah, c'est une comédienne qui allait mourir. et donnait son corps à la science. Tant pis, mais il faut comprendre. Oui, ouais, j'avoue. Faut comprendre, c'est ça que est... moi le logo de la S-Famille, Allez. Ah oui oui je vois ce que tu veux dire, c'est une ok. Quand elle allait mourir, elle a fait tout ça dans son cou pour que les étudiants quand ils allaient la déshabiller, ils ont ils oh elle est trop moche et tout. Mais tu pensais que Mais les étudiants. pour vous c'est nul. Moi j'aurais plus mis euh, genre euh, quoi couper, je suis trop moche. Euh, quoi couper chais, je sais pas. Ou alors euh, tous les corps de femmes sont beaux, comme même à dire la féministe chiante. Ouais. Non tu vois on est déçus. <rire> <J'sais>. <rire> Chez, je suis grosse. <laughs> Chez Et sur le ventre, je suis grosse. Un ouais. pli du bourlet, bloop. Ouais. Ah non, oh, trop bien. D'ailleurs, Hugo Décrypte, il s'est fait bien critiquer dans les commentaires là, parce que il a fait un un post du coup sur l'obésité, tu vois, en mode l'obésité euh, est encore plus présente dans le monde, machin. Et en fait, il, le premier plan qu'il met derrière lui. En parlant d'obésité, du coup, en information, c'est un gros burger. Et du coup, les gens ils sont pas contents. Ils disent mais c'est grossophobe Hugo, faut pas faire ça. Genre, tu parles de visiter, tu mets un gros burger. Mais non mais. Oh, ça me fait rire. Il est trop con. Ah ça me fait rire par contre. Comment on peut faire ça C'est Et c'est drôle. Il est gros. Pas. Vous mangez. Vous mangez trop les gros. Mais du coup en plus, les... enfin, c'est juste des stats de à la con tu vois. Et il va pas chercher plus loin en mode. De... C'est parce que les gens ils mangent, ils sont sédentaires. Ben non, mais il n'y a pas que ça. <laughs> c'est drôle en hein, vrai. Ouais. Les gens ont des raisons différentes d'être gros. Euh, du coup, c'est que des. Les commentaires, c'est que ça. Du, du coup, des gens qui s'insurgent. Tu vois, qui disent non, mais. Non, mais et gros, ça y est. Et gros, ça y est. Et obèse, et gros, ça y est. Et obèse, ça y est. <laughs> et, gros. et gros, ça y est, ouais. Et gros décrypte. gros décrypte, Vous voilà. pas des gros, et gros décrypte Saffron, je t'ai envoyé ma photo book, tu vas voir. Ah merci. Non ça s'affran. Ça Safran, ça me va. Elle m'a envoyé mon photo book, huit images. Moi je suis un peu déçue, je pensais Alors. que c'était une photo book au début. Là c'est une, une abeille. Ah mais c'est toi Delia que je suis sur ce 13 mais je suis trop con. Tu sais que Delia, je t'ai confondue avec euh, une ancienne euh, pote, enfin euh, une ancienne collègue du McDo. Mais vraiment. Pourquoi Mais euh, je sais pas, sur la photo de profil, on dirait me, ma, mon, ma collègue du McDo. À moins que Delia, tu sois mon ancienne collègue du McDo. Et là... Non, elle est belge. Mais du coup, euh, oh. du coup, tu vois ces trucs. Et oui, tu vois, j'adore son abeille, je lui avais dit. Alors, par contre, Delia, t'es gentille quand tu fais une photo Mais pas l'ombre du téléphone. <laughs> la grosse ombre du téléphone sur le truc. Non, mais on est où là Tu rentres au couloir. C'est compliqué d'éclairer. Ok, des petits poulpes. Un petit psycho. Un petit toguet. Ok, des petits cafés, parce qu'elle aime bien le café, quoi. Petit thé parce qu'elle aime bien le thé. C'est ce que je bois. Shut up. Ah Niles. oui, tu disais que les euh, écritures, c'était vraiment pas facile. Ah ouais Ouais. Attends, mais ça, c'est des tatouages pour de la fausse peau. Ah non, c'est des dessins. C'est ouais. les dessins, là. C'est les flashs. Ça, c'est quelqu'un avec des cornes. Je pense que c'est. Euh, le euh... tatouage d'ombre. Wouah, <laughs> <laughs> l'ombre est trop bien faite sur le. Vraiment, l'ombre est trop bien faite. Et on dirait vraiment. Oh, tu sais, le mec crois que c'est un tatouage, tout ça. On dirait vraiment que c'est une vraie table et tout. C'est trop bien fait. Ah, il y a ma gars, lampe juste derrière. Bah, en fait, tu ah changes ouais. de côté. C'est faut vraiment être con, hein, Delia, quoi. Et ça veut te tatouer. Tu vas de notre côté. Pauvre con, va. Ah, je te jure. Non, mais c'est de jungle, fou... les gens comme ça. Tu imagines nous, nous on se serait filmé on aurait mis une grosse ombre devant notre gueule, quoi. Ah, mais j'ai jamais vu ça de ma vie, Delia. Mais il y a le truc devant. T'as pensé à bouger Non, mais non En es... tout cas, t'es d'accord que son abeille, elle est trop mimes. Bah ouais, elle est super mignonne. On dirait le jeu de l'abeille que j'avais. Du coup, elle l'a fait sur peau et ça rend bien. Tu devrais envoyer aussi sur. Il euh, faut peaux. que tu montes les photos sur peau, ouais. En plus, elle laisse sa traîne de marque, là. Et tu t'es tatouée, du coup, déjà, Delia Non, elle a dit il faut qu'elle passe sa formation Elle-même. Bah justement, c'est ce qu'elle a dit. Mais si Tu vas escalader sur les clients quand tu dois voir, <laughs> je me suis ça pour tes que tatoues Bah ouais, je peux pas parce que sinon, le mien. J'adore Delia. Ah, Qu'est-ce qu'elle est con délire? D'ailleurs, on la déteste. Hein. Non, moi je la confonds avec d'autres gens, c'est pareil. Donc, on la je déteste. La déteste du coup. Vous voulez une autre photo de mon chat qui a oublié qu'elle avait une colonne? Ah oui! Oui. Oui, oui formation enfin, avant. J'ai ma lampe frontale. <laughs> la <laughs> Prends ta lampe frontale pour faire tes photos, tête de con! <laughs> tête de con! Ouais. Tu fais trop rire, Delia. Je ne ferai pas tatouer par Delia parce que j'ai très peur que je sois allongé sur la table de truc et qu'il y ait une grosse ombre et qu'elle voit pas ce qu'elle tatoue. Parce qu'elle a dit, ah, mais la lumière est derrière moi. J'ai mis la frontale dans mon dos. Ouf <laughs> con. C'est fou ça. Et en plus, elle dit ça alors qu'elle n'a pas tilté en plus qu'elle pouvait allumer l'éclairage oui, de son téléphone. Aussi. Au pire, c'est déjà... Genre... Non, elle est vraiment J'ai vu ça de ma vie. Photo dans le noir. Alors là, c'est mon faux tatouage dans le noir, tu Débile. as vu, là, c'est une vidéo de Delia qui tatoue sur de la fausse peau. Elle m'envoie que des trucs comme ça, Delia. Et là, tu vois, ça, c'est le cul de Delia. Ah oui. T'as vu C'est fou, ça. Fils deux. envoyé. Fils 2. <laughs> Ouais, c'est Delia, quoi. Les messages avec Delia. Bordel. Bordel, à cul. Incroyable. Ça, c'est nous. Oui. T'as il y a un clip de nous. Oui. C'est quoi, le clip On va regarder le clip en live. Tout le monde a reçu son cul. C'est vrai. Un peu comme mes grosses couilles. <laughs> réaction. C'est un peu lourd. Un peu comme mes grosses couilles. OMG, c'est un peu lourd! OMG, <laughs> c'est un peu lourd! OMG, c'est un peu lourd! OMG, c'est un peu lourd! Ça, ça va pas être dans un salon de poupe, hein, ça? Oui, ou ça va être un, un point d'exclamation lourd? Bah, elle arrêtez pas de faire, chaise! Point d'exclamation lourd! Je pense qu'elle va. Ah, lourd comme mes grosses couilles! On veut voir le chat! Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, trop mignon! Qu'est-ce qu'on a foutre de Brad qui monte des photos de sa balade Putain ouais, vache. Ah non, Arrêtez Oh, oh, oh Mais du coup, Umi, tu pars avec un des chats ou pas Mais comment ça, il a qu'il avait sa collerette j'ai rien compris. Non, sa colonne. Ah, Une colonne. Ah, je pensais sa collerette. Mais oui, il est moi Mais comment c'est possible Regarde-la, regarde-la, là, regarde là, Delia. Si tu veux voir mes vidéos tatoues, il faut aller sur TikTok. Non, Delia, toutes des merdes. Arrobase Delia. Je pas Delia tatoue. Oh, dans Starfield, il y a un mec, il a dit connard, Jerry. J'avais l'impression d'avoir 8 ans. <laughs> Alors tu joues en français à Starfield. Je te préviens, les, les voix sont nulles en français. Non ouais, hein. ouais. non non non, mais après chacun fait comme il veut. Oh, mais les voix bien sont nulles. Si tu passes un moment en anglais, c'est le cas tu feras. Oh, il y a les accents et tout. Tu... Andrea. Andrea, Andrea, oui. 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 Même, Même euh, Sarah, elle, elle... Sarah, elle a un bel accent. Un bel accent. Euh, Vladimir, c'est trop stylé. Poutine, trop stylé, hein Vas-y, dépasse tes mères. Viens, viens. voir Papou. Non, non pas. il a des connards en anglais. Sarah, elle est trop cool. Sarah, je l'aime bien aussi. Sarah, pur personnage, c'est Ça manque, Starfield c'est clair. Mais quand le DLC sera sorti, je streamerai. Elle est tout le temps comme ça. Genre, elle enlève sa colonne et Dodote. Par contre, est-ce que tu prends un chat avec toi? Oui, c'était ça la question. Parce que nous, Bat se chat, Muria, parce qu'un Numeria sans chat, c'est triste. Un Numeria sans peluche d'ours, c'est pas un Numeria. D'ailleurs, elle était peluche, tu les emmènes. Mais du coup, il faut qu'il vide sa voiture de peluche pour pouvoir mettre ses cartons n'y a pas la place! Et comment tu vas faire? Avec la grosse rework! J'ai lancé word aussi et. pour fun! Ah, tout ça, ah, je apparemment, c'est moins bien, non? C'est pas ce que tu disais? Mmh, ouais, je sais peu... pas. Moi, ça me lasse un peu, ça commence. Ah, ouais. C'est pour ça je sais pas s'il y aura du pal la euh, semaine prochaine, mais peut-être mmh. que si, je sais pas. Non, je prends pas de chat, il y en a déjà un. Enfin, c'est plus un chat, c'est un rôti sur pattes. <laughs> Le chat de ton coloc, du coup. <laughs> il a des fils et tout! Tu vois, dans un chat rôti avec des petits fils et tout. Oh, Genre, boum, 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 et tu le cuis dans le four tous les jours, il fait « Oh, je suis cuit !» Et il ressort, il fait oh, « Je suis plus cuit !»« Ah, ben, bonjour, la belle Michel. Ça va Oui. »« Voilà. ça vient de moi. » Mais ils vont vraiment... te manquer, les chats, Emir. Mais il ira voir euh, sa famille. Mais après, pour le ça. coup, je pense que comme c'est pas encore vraiment abouti, bah, c'est pas complet. Oui, c'est vrai. Et tout le temps, est vraiment pas pratique. Oui, c'est vrai. Non, mais après, voilà, bon, t'es pas obligé. Hein. T'as joué à Baldur's Gate. Oui, les, les peluches, coucher. évidemment, je les prends par là. Ah, Alors, les peluches, dans ton trouve tout ça, évidemment. Je rappelle en plus qu'il y a une des peluches, on a la petite caméra dedans pour voir ce que fait Myria, et ça, c'est pas rien. Aubert, je l'ai dit. C'est pas grave, il aime bien. Il aime bien exprès. Il ah, des... C'est pour bon, ça qu'il nous fait des scriptistes tous les soirs. Ah soir, hein. oui Évidemment. Peut-être que je le fasse mot, là. Imaginez Myria, pendant la partie de Face que vous allez faire là. La semaine prochaine, on est censé faire aussi un live lecture érotique. Hein. Encore Bah oui, oui c'est le dernier, dernier, dernier livre. Euh, Bob Dyson a, a joué une carte pour. Hein. tu n'as même pas dit. Si. Bah tu bien sûr. Dit que oh, bah début de semaine dernière. Hein. Ah ouais. Et dernière, il y avait tout, temps... tout le temps des sons. Ah ouais Dans Fasmo <laughs> Genre des sons de cul. Ah ouais. Bah ouais, la semaine prochaine, il va falloir voir par rapport tes horaires. Bah ouais, encore de la lecture. Hein. C'est bien redondant, là. Oula. Et je pense que je mettrai cette carte en pause, d'ailleurs, hein, parce que laisser un peu de temps euh, pour qu'on retrouve autre chose, quoi, après. Parce que c'est bien compliqué, hein. Bah oui. Qu'est-ce que tu regardes des, des trucs. Il <laughs> y ah. trop bien, Nanita. Bah quoi Toi aussi, tu regardes des trucs Ah, Katy Perry, c'est gros hein. Ouais. Putain qu'elle est grosse, hein, Katy Perry. Hein. Bon, hein, on s'en fous. Euh... <laughs> Moi, j'aime bien Katy Perry, elle me fait rire avec c'est gros. Hein. Les saransus on va se laisser là. On a déjà débordé pas mal. Euh, on vous fait des gros bisous. Ouais, bisous. J'aime pas hein. j'aime pas trop face. Ça J'aime pas ça. Il aime pas les jeux d'horreur, mais... Ouais, j'aime toujours pas les jeux d'horreur et euh, Face encore, matière bah, mange encore ton moins. Cul, ça Ouais, bisous. fais ouais. gaffe de tout le monde, casse de euh, non non, Fasmo, ouais, je sais pas non. Un jeu d'horreur. Oui, si, bien sûr que si. Il dit ça parce qu'il font dente. Non, non, mais c'est bon, elle est quoi, là. Ah, bisous, ouais. ouais, Bisous. Euh, <laughs> prenez soin de vous. Euh, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain soir, normalement, quoi qu'il mmh. arrive. On vous fait le programme tout à l'heure. Ouais, ouais l'enfant dans ta tronche. Ouais, ouais. Bam, frontal. Prenez soin de vous. On se retrouve voilà, normalement 19h30 demain soir. On euh, attend sur Discord, évidemment. Euh, Programme qui sort soit tout à l'heure, soit demain. Voilà. Vas-y, à demain, ouais. ouais. vous êtes demain. Je vous fais des gros bisous. Des bisous, bisous. Ouais. Euh... Bah, tu vas les couper. Hein, je vais les couper. Je, je vais les couper, couper quoi Quoi couper <laughs> euh, Pardon. <laughs> les barres, en fait. Et bon face les loulous. Ouais. Oubliez bien. pas aussi le film, enfin, euh, la diffusion de film de Justine. Hein. -ce fait, dit C'est ce soir qu'ils regardent le film, je sais jamais. Euh, non, ce soir, il regarde Alien. Non, non. Ouais, voilà, n'oubliez pas si vous voulez regarder aussi euh, Alien. Voilà, bonne soirée! Oui, c'est ce soir, merci, juste. Ouais, ah non, c'est ce soir, mais c'est pas Alien, du coup. Bah, euh, allez voir dans le Netflix en ouais. plus euh, Leclerc et Chess. Faut que vous alliez voter, juste il a demandé. Donc, allez voter. c'est le puis... bon, la brute et le truand. Ah, bon film de merde. Non, je déconne, non, c'est oh. bien. Ouais. Non, allez voir quand même. Non, c'est cool en vrai. Euh... Après votre face -mo. ou en même temps que face bisous que tout le monde. Bisous. Ah, faut que j'arrête l'enregistrement, j'ai oublié. Bisous tout le monde, je vous mute.